Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Vincent Levavasseur. Je suis maraîcher depuis, c'est ma sixième année, là, cette année. C'est ma sixième année de maraîchage. Donc, je suis installé, j'étais une des premières fermes à s'installer directement sur prairie, à faire une transition prairie-légumes sans aucun travail du sol. Donc, une des premières fermes du réseau MSV à s'installer 100%. Sans travail du sol directement. Et puis, étant donné que cette installation a bien réussi, elle a réussi parce que j'ai pu m'inspirer du réseau maraîchage sol vivant, du réseau maraîchage sol vivant qui m'a guidé. Et en particulier, j'avais travaillé à l'installation, pour me former à l'installation, j'avais travaillé chez les frères Mulet. Et c'est à ce moment-là où j'avais découvert le réseau maraîchage sol vivant. Et ce réseau s'est fortement solidifié là ces toutes dernières années et ça allait très vite, mais ça allait très fort. Et aujourd'hui, il y a un gros impact parce qu'on a une cartographie ici là de tous les acteurs. À chaque fois, vous voyez des points. Quand on voit le numéro par exemple 35, si vous voyez bien mon écran. À côté de Lyon, ça veut dire qu'il y a 35 maraîchers. Après, vous pouvez zoomer et voir qu'il y en a. Vous pouvez cliquer sur les fermes pour pouvoir voir un peu le réseau maraîchage sol vivant. Donc, ça allait assez vite. C'est allé assez vite parce qu'on a fait une stratégie un peu particulière dans le réseau maraîchage sol vivant de diffuser librement toutes les connaissances à travers donc la plateforme YouTube. Donc, vous connaissez, 80% d'entre vous la connaissent. Donc, je vous encourage d'ailleurs, si vous voulez approfondir, on a fait une sélection récente de 6 vidéos, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les vidéos de référence sur les sols vivants, et ça pose un peu les bases. Alors, peut-être que vous en avez déjà vu quelques-unes, mais pas toutes. Ça pose les bases de tout ce qui est maraîchage. Alors, quand on va parler de potager, on ne va pas forcément parler de maraîchage nécessairement avec tout le volet économique et tout le volet professionnel que ça engendre. Mais donc je montrerai sur la carte, là, la carte du réseau, sur le site Maraîchage Sol Vivant, la carte du réseau. Et ensuite, je montrerai la chaîne YouTube et je vous présenterai là, les 6 vidéos qui sont ici. Donc, si vous tombez sur… si vous cliquez sur le petit logo Maraîchage Sol Vivant, vous tombez sur cette page et vous voyez 6 vidéos de référence. Qui ont été sélectionnés parmi toutes les centaines de vidéos qui sont sur Internet pour pouvoir approfondir le sujet du maraîchage sur sol vivant. Ce n'est pas forcément notre sujet aujourd'hui, puisque nous, c'est plutôt le potager du particulier. Malheureusement, on s'est concentré à faire des vidéos qui s'adressent à des professionnels, pas forcément à des particuliers. Pour les particuliers, on est en train de préparer des vidéos spéciales dédiées pour ça. D'ailleurs, ce que l'on va faire aujourd'hui va permettre de nourrir la chaîne YouTube directement et donc d'alimenter les vidéos de référence pour les particuliers. Donc maraîchage sol vivant, c'est une diversité. Si vous regardez sur le site internet, il y a une diversité de portes ouvertes, de visites de fermes, de formations, d'événements qui sont programmés et qui font la richesse du réseau et qui, avec tout un tas de groupes locaux qui sont structurés, donc qui est vraiment plutôt dédié pour tout le monde pro. Et puis, comme cette chaîne YouTube a très bien fonctionné, on a continué avec la chaîne YouTube Vers de Terre Production. Donc, on a créé Vers de Terre Production avec François Mulet, avec Conrad Schreiber. Et donc là, vous la connaissez aussi pour la plupart d'entre vous. Cette chaîne YouTube, et ça Oui, parce que ça a commencé. s'adresse à toutes les agricultures possibles, aux agricultures en céréales, en élevage, en vigne, en arboriculture. Et donc, ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Je vais faire un peu référence d'ailleurs au fur et à mesure de mon propos à ça, à ces chaînes YouTube, parce que c'est via aujourd'hui ce média qu'on peut approfondir facilement un sujet, qu'on peut aller creuser des connaissances précises. Donc, j'y ferai référence.
Donc aujourd'hui, moi, concrètement, je suis donc président de l'association normande Maraîchage Sol Vivant, Normandie. Je suis directeur de vers de terre production et puis je continue à travailler sur ma ferme, sur le maraîchage, aussi un atelier de poules pondeuses. Et puis on a monté un espace test sur la ferme qui permet de faire cette diversité de tâches que je mène aujourd'hui de front. Voilà. Pour quelques mots pour présenter. Donc, ma ferme, elle fait il y a 10 hectares de terre, dont un hectare, enfin un gros hectare de maraîchage. Ça fait déjà plusieurs ateliers conseils que l'on fait à l'adresse des particuliers, des jardiniers amateurs, pour pouvoir promouvoir largement la mise en place de ces jardins au service de la reconnexion au vivant, à la reconnexion aussi à notre santé, aux bons produits, et puis essayer de faire diffuser ces idées de l'intérêt des sols vivants dans toute la société. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Donc, grâce à Vers de Terre Production qui organise un peu la diffusion et la diffusion de cette journée qui a organisé tout le processus d'inscription. Et donc, je vous remercie de nous soutenir directement en participant à cet atelier qui nous permet de faire perdurer ce travail de diffusion des connaissances en open source. Suite à cette petite introduction, je vais vous présenter le programme. Il va se dérouler donc en deux temps. On va se donner jusqu'à 20 heures maximum. On va d'abord faire un temps très théorique où on va présenter, enfin théorique et très sous forme un peu de conférence pour vous expliquer tous les points importants du sol vivant. Très rapidement, en technique, comment concrètement on peut observer un sol, savoir s'il va être auto-fertile, est-ce que ça va pousser tout seul ou pas, et puis ensuite voir au niveau technique, qu'est-ce que concrètement, comment est-ce qu'on fait pour semer, comment est-ce qu'on fait pour planter dans un sol vivant, et puis après on abordera rapidement la question des ravageurs, et puis un tour de jardin pour se créer un imaginaire, se créer un référentiel d'image qui soit enrichissant pour vous donner envie, pour que vous sachiez à quoi ressemble finalement le maraîchage sur sol vivant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence ceci, des remarques? Et puis ensuite, on va se mettre sur la présentation du sol vivant. Donc, n'hésitez pas à interagir peut-être de manière préférentielle en utilisant l'onglet conversation. Et puis, s'il y a même des questions à chaud, à prendre le micro pour pouvoir échanger. Il n'y a aucun sujet, aucun problème. Et puis, après cette partie où je vais beaucoup parler, ce sera plus le temps de l'échange, de s'approprier vos photos. Voir si vous avez des questions et j'aurai du coup toute la fin de la séance jusqu'à 20 h, le temps de répondre à toutes vos questions et généralement on y arrive parfaitement à traiter, même si on est un peu nombreux, à traiter toutes les questions des uns et des autres particulières qui n'auraient pas trouvé réponse dans la première partie. Donc, on va commencer sur déjà redonner un peu l'historique de qu'est-ce que c'est l'histoire des qu'est-ce que c'est le sol vivant, pourquoi est-ce qu'on fait en fait, première question, pourquoi on va chercher à faire des sols vivants? Et bien, pourquoi on va chercher à faire un potager sur sol vivant plutôt qu'un potager conventionnel? Et bien, donc, il y a évidemment l'intérêt d'arrêter de travailler du sol, d'arrêter le désherbage, d'arrêter la fertilisation. Ça va pousser spontanément sans apport d'engrais chimiques. On voit aussi qu'il y a quand même relativement moins de maladies sur des plantes en bonne santé, sur des sols avec une forte activité biologique.
que c'est respectueux de l'environnement sur l'aspect stockage du carbone, arrêt de la dégradation des sols par l'érosion, que c'est respectueux sur le fait qu'on va garder des grosses populations de vers de terre, on va le voir juste après. On peut aussi moins arroser parce qu'on a une meilleure réserve d'eau quand on a des sols qui sont riches en matière organique. Et on a aussi des bons rendements, donc ça nous fait déjà beaucoup de bons points dès le départ pour nous donner envie d'aller vers des systèmes sur sol vivant. Et quel est l'historique ? Ben, l'historique, c'est que finalement, on n'a pas inventé tant de choses que ça quand on a lancé le réseau maraîchage sol vivant. Déjà, dans les années 500, il y a des traces humaines via dans l'Amazonie, de terres noires en plein cœur d'une Amazonie où les terres sont très pauvres. Il y a des zones qui sont extrêmement riches en matière organique. Et quand on plante un maïs dans cette terre-là, il va pousser, il va faire 3 mètres de haut. Et quand on va planter dans le sol qui est juste à côté, qui a la même couleur que le bas de cette photo, eh bien, on va avoir un maïs qui va être tout chétif. Et du coup, il y a eu cette capacité, déjà il y a longtemps, à créer des sols d'une exceptionnelle fertilité et qui a traversé le temps. Des sols qui ont traversé le temps, ça fait 1500 ans que ça existe, c'est daté au carbone. Et on sait que ces sols, on peut encore les cultiver aujourd'hui très, très facilement. Bon, c'est la jungle autour, hein, c'est l'Amazonie, donc c'est pas... c'est le long du fleuve Amazon, ce n'est pas évident d'accès, mais en tout cas, les sols sont toujours exceptionnellement fertiles. Et puis, un peu plus récemment, quand on regarde les techniques de maraîchage autour des grandes villes, et en particulier Paris et Londres, et d'abord Paris avait une excellence au 19e siècle dans la production de légumes en ceinture immédiate de la ville, avec... un concept qui était basé sur les apports massifs de carbone et du coup derrière d'avoir des systèmes très fertiles grâce aux apports de carbone du fumier de cheval et qui permettaient d'avoir des sols très riches, de chauffer aussi un peu avec les systèmes de couches chaudes et donc très intéressant. Finalement de revenir à ces techniques-là et de comprendre qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là et pourquoi finalement Paris était autonome. Aujourd'hui, Paris ne l'est plus du tout. Bon, il y a eu entre deux une grande différence d'évolution de la démographie, mais quand même, il y avait ce savoir-faire qui est reconnu et il y a des très beaux livres qui expliquent comment est-ce qu'ils arrivaient à avoir un melon sur les tables parisiennes dès la deuxième quinzaine d'avril. Ce qui nous paraît inconcevable en Normandie aujourd'hui d'avoir un melon, etc. Suite à ça, plus récemment, il y a eu un phénomène qui est très mal connu, qui s'appelle le Dust Bowl. Le Dust Bowl, c'est une tempête dans tout le Middle West américain. Il y a eu des énormes tempêtes de terre, où la terre emportait les maisons, emportait les cultures. C'était vraiment le chaos. Et il y a eu une énorme migration d'une zone qui est quasiment aussi grande que la France, en plein milieu des États-Unis, à cause de ces catastrophes climatiques. Et ça a fait beaucoup réfléchir, parce qu'en fait, ce Dust Bowl est apparu suite au retournement des prairies à bisons de cette partie-là des États-Unis. Et au bout de 4-5 ans de labour sur les prairies à bisons, ils ont créé le désert. Ils ont créé le désert et c'était l'une des premières prises de conscience de l'impact récent du travail du sol sur les paysages. Mais on peut aussi le voir dans le bassin méditerranéen où finalement on a beaucoup de déserts aujourd'hui en Espagne, dans tout le pourtour, à Marseille, à Montpellier, c'est des régions quasi désertiques, alors que c'était avant l'ère romaine des régions fertiles. Et donc on a compris à travers en particulier le Dust Bowl que le travail du sol avait un impact énorme sur la fertilité des sols, sur la destruction des sols. Et ensuite, plus récemment, vous connaissez le mouvement de la permaculture, dont l'un des fondateurs est Fukuoka, qui a travaillé sur l'établissement de pratiques sans travail du sol, sans aucun travail du sol, ce qui est une vraie nouveauté, parce que tout le Moyen-Âge était basé sur le travail du sol, beaucoup moins profond, beaucoup moins intense, qu'on a accéléré. Et Fukuoka a trouvé des techniques pour produire du blé, du riz, sans aucun travail du sol.
Et puis, peut-être vous connaissez Emilia Hazlip, pas forcément extrêmement médiatisée, qui, dans les années 80, a développé des premières buttes sur paille, sans travail, donc plus près de chez nous, puisque c'était en France. Elle essayait d'appliquer les concepts de culture sans travail du sol en France. Et puis aujourd'hui, le réseau finalement Maraîchage Sol Vivant a repris ce dossier-là et donc a été un des premiers réseaux à proposer des vraies techniques de culture sans aucun travail du sol pour produire des légumes. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait tout ce travail de construction, de référence, de compréhension de l'agronomie. Qu'on a pu adapter techniquement aux exigences de la culture légumière, mais en reprenant finalement une synthèse de tout ce qu'on a vu précédemment, autant ce qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols, qui a été le mouvement de réaction par rapport au Dust Bowl, que la permaculture de Fukuoka ou que le système Terra Preta des Indiens. Alors aujourd'hui, il y a tout un écosystème autour de l'agriculture du vivant, avec, vous en connaissez peut-être quelques-uns parmi ces acteurs, avec pour une agriculture du vivant, avec des associations autour de l'agroforesterie qui reprennent cette thématique des sols très fort. Je vous laisserai ces diapositives pour que vous puissiez approfondir si vous le souhaitez. Alors, après ce premier un peu aperçu historique, on va venir aux fondamentaux, mais de manière très succincte. Et puis, je vous renvoie aux vidéos de référence là, qui sont sur la chaîne YouTube Maraîchage Sol Vivant si vous voulez approfondir. Mais finalement, le constat de départ de tous nos travaux, c'est de constater que, à part dans des conditions extrêmes où il y a trop d'eau, où il y a trop de soleil, où il fait trop froid, dans tous les autres cas, s'installe naturellement, spontanément, sans aucun effort, des systèmes de production qui sont très productifs. Une forêt va produire autant que nos meilleurs systèmes cultivés en termes de biomasse, va produire autant de bois, autant de racines et autant peut-être de fruits, pas forcément digestes pour l'homme, pas forcément nutritifs, mais avec une vraie production en tout cas de feuilles de carbone qui est équivalente à un système d'un blé ou d'un maïs. Et ce, dans une grande diversité de contextes pédoclimatiques. Et donc, ça pousse tout seul, le vivant. Et la question est pourquoi ça ne pousse plus tout seul? Pourquoi est-ce qu'on travaille le sol alors que dans le vivant, un sol n'est quasiment jamais travaillé, à part un sanglier qui va remuer un bout de terre, mais c'est insignifiant. Et du coup, quelles sont les grandes règles du vivant? C'est des questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'on a surtout découvert, c'était qu'il y avait une recette miracle pour polluer, pour détruire les sols. Pour détruire les sols, eh bien, on fait du café. Donc, on prend de la matière fraîche, qui est le café, c'est le sol. On ajoute de l'eau et on passe tout dans un grand mixeur. Et le mixeur, ça peut être cette machine qui s'appelle une herse rotative, ça peut être une charrue, ça peut être un motoculteur, ça peut être une bêche à l'échelle du jardinier. Et ça crée le café. Et le café, c'est pas normal de voir de l'eau trouble. De l'eau trouble, ça veut dire de l'eau qui s'est chargée en sol, et ça veut dire que le sol part à la rivière, part dans la mer, et que vous êtes en train de diminuer l'épaisseur de votre sol petit à petit, et à force, on crée un désert comme c'est passé dans la Méditerranée. Une autre manière d'imager ça, c'est de prendre tout simplement une motte, ça s'appelle le slake test. Vous prenez une motte, vous la posez dans l'eau. Donc voilà ce qui se passe sur un sol de forêt. On pose la motte dans l'eau, l'eau reste relativement claire. La motte ne bouge pas tant. Et par contre, si on prend un sol qui a été travaillé, tout simplement, on le pose. Alors au départ, évidemment, l'eau, elle est claire. Et ensuite, l'eau un petit peu plus trouble. Et surtout, la motte s'est dissoute, ne résiste pas à l'eau. Et en fait, c'est une bonne manière de modéliser le comportement de résistance de nos sols quand il pleut un grand coup. Et donc, c'est des petits outils qui nous permettent de savoir si notre sol est résilient à l'eau. Et c'est l'un des premières clés, c'est de garder son sol pour pouvoir ensuite le cultiver sereinement. Alors, évidemment, si on prend un sol travaillé, qu'on rajoute beaucoup de matière organique, tout d'un coup, il résiste à l'eau. Et ça, c'est une photo d'un sol qui a été
enrichi en matière organique, mélangé, et à ce moment-là, il y a un miracle. Les champignons recolonisent extrêmement rapidement, en moins de 48 heures, tout le sol, et le sol devient résistant à l'eau. Alors, on a parlé de résistance à l'érosion, et puis un des concepts clés de cette agronomie des sols vivants, c'est l'autofertilité des sols. C'est comprendre l'autofertilité des sols. Qu'est-ce qui fait qu'un sol pousse tout seul ? Alors, quelles sont les grandes clés qui permettent cette auto-fertilité, cette capacité à pousser tout seul? Eh bien, c'est d'avoir une source d'énergie constante qui est le soleil, d'avoir des apports comme réguliers de pluie, d'avoir du CO2. Et quand on a tout ça, on peut réaliser des plantes. Donc, on fait de la photosynthèse. Donc, il n'y a que les systèmes avec des chloroplastes qui sont capables de faire de la photosynthèse. Nous, on en est incapable de produire des sucres. Et ces sucres, le vivant, il en couche une très très grande partie sur le sol. Il le laisse tomber au sol ou il le crée sous forme de racines. Chaque année, les racines, toutes les radicelles meurent, elles renaissent. Un arbre, il y a 50% de sa biomasse qui est sous forme de feuilles qui tombe chaque année. Il y a aussi 50% de racines, de petites radicelles qui meurent chaque année, qui sont recréées chaque année. Et donc, ça crée énormément de sucre, de sucre, de chaînes carbonées, de carbone, qui sont créés par les plantes et qui sont restitués au sol. Et pourquoi est-ce que ça pousse tout seul dans la forêt ou dans la prairie ? Parce qu'il y a tout un tas d'organismes vivants qui sont dans le sol, donc des vers de terre, des nématodes, des collemboles, des diptères, tout un tas de faune. Il y a aussi énormément de champignons, énormément de bactéries qui vont digérer ces sucres et les restituer immédiatement aux plantes. Et il y a une autre partie qui ne va pas être tout de suite ingérée par la plante, parce que la plante n'en a pas besoin, et qui va être transformée en humus, donc la fameuse humus ou matière organique, et ça va être vraiment la réserve. L'humus, qu'est-ce que c'est ? C'est le stock. C'est le cellier, c'est la cave et le cellier et le garde-manger de la maison. Et quand il y a besoin, eh bien, la plante va pouvoir, en faisant une symbiose, donc une association gagnant-gagnant avec des bactéries de champignons, récupérer tout ce qui a été rangé dans le garde-manger. Et donc, ce n'est pas qu'un garde-manger, c'est aussi une réserve d'eau. Parce que plus il y a d'humus dans un sol, plus il y a de réserves d'eau potentielles. Et plus on peut ranger de l'eau dans un sol, c'est proportionnel au taux de matière organique. Donc, c'est comme ça que fonctionne un sol vivant. C'est en récupérant, en recyclant tout ce qui est produit par la plante dès le départ. Et le grand drame de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'on détruit les champignons, les bactéries, les macrofaunes à coups de charrue. Un passage de charrue, c'est moins 80% de vers de terre. Et les vers de terre, c'est à peu près un quart de la faune d'un sol. C'est à peu près toujours cet ordre de grandeur-là. Donc, moins 80% de vers de terre quand vous bêchez proprement un potager. Donc, premier drame de l'agriculture. Deuxième drame, toutes les pailles d'un blé, les pailles du maïs ne sont pas restituées au sol. On enlève à manger au sol et du coup, ça ne pousse plus tout seul. Du coup, il va falloir nourrir en direct avec de la chimie les plantes. Et puis ensuite, résister à tout un tas de maladies qui se mettent en place parce que les plantes sont mal nourries, sont carencées. Et donc, ça va être la difficulté. Alors, là, on voit un peu des zooms sur les différents acteurs, en particulier la colle du sol, là, qui s'appelle la glomaline, qui permet de résister à l'eau. On voit aussi tous les petits fils de champignons qui se structurent autour de la matière organique. Les fameuses cabanes de vers de terre, les fameuses maisons à vers de terre sous des masses de turricules. Et puis, pour résumer tout ça rapidement, de manière assez synthétique, c'est de dire… Finalement, le sol, c'est une maison, c'est un lieu qui héberge des habitants. Et c'est important d'avoir une maison en bon état, donc une maison qu'on viendrait retourner chaque année
vous vous sentirez très mal dedans. Si je prends votre maison chaque année, demi-tour, ça va être difficile de vivre sereinement dedans. Et puis, si vous la tranchez avec, avec une grelinette, avec une sousseleuse, ça va être compliqué d'avoir l'eau, la lumière à tous les étages. Alors que les réseaux mycorhiziens, ce sont des longs fils qui peuvent parcourir plusieurs mètres. Et avoir une super maison en bon état qui n'est jamais travaillée, c'est une chose. Mais si le frigo est désespérément vide, eh bien, la maison ne va pas être entretenue. Personne ne va réparer les fuites de la toiture, entretenir les galeries dans le sol. Et du coup, la maison va finir par se délabrer. Le sol va finir par se tasser, se compacter. Et donc, avoir une maison en bon état, première chose. Deuxième chose, avoir de la nourriture, un garde-manger bien rempli et s'assurer que chaque année, il y ait de quoi nourrir les habitants du sol. Alors, ça, on a pu le quantifier. On a pu quantifier qu'est-ce que produit une prairie, qu'est-ce que produit une forêt pour que ça pousse tout seul, quoi qu'il arrive après. Eh bien, on l'a quantifié. C'est 2 kg de matière sèche par mètre carré et par an, 20 tonnes à l'hectare, ce qui constitue finalement 15 cm de foin ou de paille, 1 cm de copeaux de bois, les fameux BRF, bois raméal fragmenté, donc 1 cm de bois ou 10 cm de broyat de déchets verts, un mélange entre du compost et qui est généré à partir de dans les déchetteries juste avant qu'il ait complètement composté. J'ai parlé de broyat, je n'ai pas parlé de compost quand il n'a pas encore composté. Et donc 2 kg de matière sèche par mètre carré par an, voilà un peu les ordres de grandeur dont a besoin un sol pour se nourrir. Et c'est bien d'avoir ça en tête. Alors, après, on peut classifier ces différents types de matières organiques et on rentre un petit peu dans des chiffres, mais c'est intéressant. On a parlé de l'intérêt d'avoir des chaînes les plus carbonées possibles parce que ce sont des chaînes carbonées qui sont mangées par l'activité biologique. C'est des chaînes carbonées qui nourrissent les vers de terre, qui nourrissent les champignons, qui nourrissent les mycorhizies. Il n'y a plus assez de carbone, ou si tout le carbone est devenu de l'humus, du carbone stable, il n'y a plus rien à manger pour l'activité biologique. Et donc, finalement, un compost, c'est de l'humus stable, c'est l'accumulation de matière organique qui a été digérée par des bactéries, par des champignons dans le tas. Et si vous donnez ça à manger un ver de terre, il ne va plutôt pas trop avoir grand-chose à manger, voire pas du tout. Du coup, c'est intéressant de connaître l'intensité de carbone qu'il y a dans ce que l'on pourrait donner au sol. Et du coup, on va classer les matières organiques qu'on pourrait apporter au jardin pour nourrir le sol. En fonction de différents césurènes, donc de rapport carbone-azote, et vous les voyez ici. Donc le BRF, c'est le bois, les copeaux de bois, c'est très riche en carbone, tandis que du compost, des tontes de gazon, des fientes de volaille, on aurait pu rajouter, qui sont même encore en dessous de 10, sont moins riches en carbone et du coup vont moins nourrir l'activité biologique. Donc je présentais ces différentes matières organiques. On y reviendra tout à l'heure dans tout ce qui est remise en vie des sols juste après. Et en fait, on voit que plus vous apportez de carbone, plus ça va booster la fameuse auto-fertilité. Et si vous ne mettez que du compost sur vos sols, il y a un risque qu'à un moment donné, votre sol se tasse parce que vous ne donnez pas à manger aux vers de terre, donc ils ne bossent plus. Et donc, ils ne font plus les galeries, ils n'entretiennent pas la maison et la maison s'effondre sur elle-même. Attention à apporter des matières organiques carbonées. C'est là où je parlais ici de césurène supérieure à 20. Donc, n'hésitez pas, si ce n'est pas clair, à réagir. Et voilà un petit peu, pour aller très vite, donner un peu les bases de l'auto-fertilité des sols, comment ça fonctionne d'un point de vue théorique. Je renvoie aux vidéos si vous voulez approfondir. On peut parler pendant des heures de mycorhizes, de champignons, de vers de terre.
je vais, par rapport au temps qu'il nous est imparti, je donne que qu'un résumé rapide. Donc, si ça vous va, bien, on va passer sur la partie préparer son sol. Et alors, pourquoi on parle de matière organique et pourquoi on parle de préparer son sol quand on parle de potager? C'est parce que, à l'inverse d'un système d'une prairie ou d'une forêt, quand on récolte des légumes, on prend quasiment tout et on ne laisse rien. Quand on récolte des poireaux, on arrache toutes les feuilles, on arrache la majorité des racines avec et on ne laisse absolument rien au sol. Alors que si on récolte en agriculture de conservation du blé, on peut récolter le grain et laisser la paille et les racines. On peut récolter l'épi de maïs et laisser les pailles de blé. On peut aussi récupérer l'herbe d'un champ, d'une prairie, et laisser tout le système racinaire qui est encore beaucoup plus dense. C'est la grosse difficulté des légumes, c'est que on prend absolument tout, quoi. On prend absolument tout quand on récolte une carotte, quand on récolte un poireau, quand on récolte des tomates, on laisse un petit peu de fan, mais on ne laisse pas 2 kg, on laisse plutôt 200 g par mètre carré. Donc c'est insuffisant. Du coup, les légumes ont toujours été chouchoutés. Vous n'allez jamais vous promener au bord et trouver au bord de votre chemin un chou-fleur de 600 grammes, un pied de tomate extrêmement bien fourni. Ce n'est pas compétitif par rapport aux vivants. Et du coup, on les a toujours chouchoutés. On a empêché d'avoir une concurrence avec de l'herbe, surtout au démarrage. On les a peut-être arrosés aussi au démarrage parce que c'est toujours stressant pour, par exemple, un pied de tomate de se trouver transplanté. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné dans le réseau maraîchage sol vivant sur des apports extérieurs de matière organique pour pouvoir compenser ce manque à gagner pour l'activité biologique, ce besoin de nourriture qu'a l'activité biologique pour que derrière, nos légumes poussent réellement tout seuls. Je préciserai la fin d'azote juste après. Je vais y revenir juste après. Je vais d'abord parler un petit peu d'évaluation du potentiel de fertilité d'un sol. Donc la question, c'est que maintenant qu'on sait que ça pousse tout seul quand on apporte du paillage, quand les sols sont toujours couverts, jamais travaillés, la question c'est si j'installe un potager demain dans un coin de mon terrain, est-ce que ça va pousser ou pas? Comment est-ce que je peux savoir si mon sol est auto-fertile ou pas? Pour répondre à cette question, on va regarder différents paramètres, mais l'un des plus faciles, c'est de regarder la pousse spontanée. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe si on ne broie pas? À quelle hauteur ça pousse? Et donc, mon petit bonhomme, si vous avez une pousse spontanée à hauteur de la cheville, ça fait 0,3 kg. Par mètre carré, donc ce n'est pas une énorme pousse. Par contre, si déjà ça arrive au niveau du bassin, tout seul, plutôt au mois de juin, parce que c'est au moment où la plante a fait son cycle complet du printemps jusqu'à la fin du printemps au mois de juin, ça veut dire que votre sol a un bon potentiel et qu'il y a de très très bonnes chances que quand vous allez mettre des légumes sur ce sol-là, ça va pousser de bonne manière. On va rester à détruire cette herbe pour mettre des légumes à la place, on va voir comment juste après, mais c'est un très bon indicateur. Au mois de juin, ça peut être aussi au mois d'octobre, la deuxième pousse, elle sera peut-être moins importante, mais ça va donner un indicateur. Est-ce que ça pousse? Alors, quand on parle de hauteur, on parle d'un moment où c'est vraiment dense. Ce n'est pas la tige qui dépasse et on prend ce référentiel-là. Ah, il y a une tige qui me dépasse, qui est arrivée à la poitrine. C'est au moment où on a l'impression que c'est dense. Est-ce que c'est dense au niveau du bassin, au niveau du genou? Alors, ce n'est pas la même chose pour la pousse spontanée comme une prairie que pour des cultures qu'on aurait semées en engrais vert, tout simplement parce qu'il y a plus de racines dans une prairie et beaucoup moins de racines dans une culture, et que du coup, la biomasse totale est plus importante dans une prairie pour une même hauteur. Alors, une autre manière de savoir où en est notre sol, c'est de regarder son historique et de voir sa structure. Alors, la structure, on y reviendra juste après, mais l'historique, c'est est-ce que finalement un sol était travaillé? Si un sol était travaillé,
généralement, son auto-fertilité, son taux de matière organique est descendu très, très vite. Et donc, un sol qui a été travaillé va généralement pas se mettre à pousser. Si on met un légume dans un sol qui a été travaillé les trois dernières années, le légume va mal pousser parce qu'il n'y a plus d'activité biologique dans le sol. C'est la même chose, même si c'est un peu moins fort, pour un sol qui a été tondu régulièrement ou pâturé régulièrement. C'est le cas, par exemple, d'une prairie où on a un cheval qui reste toute l'année, qui pâture, qui pâture, qui pâture, et l'herbe est toujours rase toute l'année. C'est le cas aussi d'une pelouse qu'on tond avec le tracteur tondeuse tous les 15 jours. À force d'être tondue et retondue, l'herbe ne peut plus jamais vraiment pousser. Et donc, il n'y a plus d'activité biologique qui peut s'exprimer parce qu'il n'y a pas de nourriture qui est redonnée au sol. Alors, la structure d'un sol, c'est aussi un indicateur par rapport au tableau précédent. Vous pouvez très facilement l'estimer. On fait un trou de bêche, on voit la profondeur de sol, déjà, c'est important. Est-ce que mon trou, je peux aller jusqu'à 40 cm sans difficulté ou il y a des cailloux? Et puis, est-ce qu'il y a des grosses mottes très compactes, comme la note numéro 5? Ou est-ce qu'il y a un sol très, très semoule, très grumeleux, comme la note 1? Et ça vous donne un peu l'idée de la structure du sol. Et maintenant, la question qu'on va se poser, c'est maintenant qu'on a évalué le potentiel de son sol, qu'est-ce que l'on fait ? S'il a un faible potentiel, s'il a un très bon potentiel, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir immédiatement planter. Et du coup, la première chose qu'il va falloir faire, c'est quand même détruire l'herbe qui est en place. Et donc, pour la détruire, on a différentes techniques de bâchage. On reviendra dessus juste après. Bâchage avec du carton, avec de la bâche plastique. On peut même pailler avec des très grosses quantités, mais c'est un peu compliqué pour les questions de vivaces. On paille, ou plutôt on bâche. Et puis ensuite, on va pouvoir planter tout de suite. Et donc, ça va être très intéressant tout de suite pouvoir planter dans la bâche et tout de suite avoir une récolte immédiatement. Alors là, on arrive sur la période hivernale, donc on ne va pas avoir grand-chose à planter au jardin, mais on pourrait mettre la bâche tout de suite pour pouvoir semer au printemps, par exemple. C'est des choses qui vont pouvoir être possibles. Si notre sol il a un faible potentiel, tout simplement parce qu'il a été travaillé ou parce qu'il a été tondu très régulièrement, et bien, il n'y a plus de carbone dans le sol. Donc, il va falloir remettre de l'activité biologique dans le sol en remettant de la nourriture dans le sol, donc en remettant du carbone. Donc, on va rapporter du carbone, soit tout d'un coup d'un seul, et après on n'en parle plus, soit petite dose chaque année régulièrement. Il y a deux stratégies possibles et on va regarder ça dans les détails. Donc le bâchage, ben voilà nous comment on fait à grande échelle. On utilise soit des bâches d'ensilage. Les bâches d'ensilage, elles ont l'intérêt d'être récupérables gratuitement chez les éleveurs qui font l'ensilage de maïs. Vous pouvez, il y a un moment, ils sont obligés de les renvoyer dans des filières de collecte pour faire des pneus ou des enrobés pour les routes. Mais avant que ça fasse des enrobés, ça peut aussi aller dans votre jardin et bâcher efficacement votre jardin dans le cas où ça pousse tout seul. Donc là, je rappelle un peu les prix et je rappelle que la grosse problématique de la destruction d'une prairie, ce sont les vivaces. C'est qu'il faut 6 mois poussant, 6 mois d'été. Si vous mettez la bâche maintenant et que vous débâchez au mois d'avril, eh bien, il y a de grandes chances que les orties, les chiendents, les chardons, les rumex ressortent au printemps malgré 6 mois de bâchage parce qu'ils étaient de toute façon en dormance. Ils attendaient un chardon ou toutes les vivaces pendant l'hiver. Ne fait pas grand-chose, ne cherche pas à pousser parce qu'il fait trop froid pour lui. Et du coup, il est en dormance, il attend les beaux jours. Et si vous débâchez au moment où il est prêt à décoller, à partir, eh bien, il va traverser vos paillages très facilement. Et du coup, ça va vous poser problème parce que vous allez être envahi de vivaces. Donc, si vous voulez détruire des vivaces, c'est 6 mois poussant, mais on peut tout à fait cultiver sur une bâche. On peut tout à fait mettre une bâche, par exemple, au mois d'avril et un mois après, planter des courges dedans. Donc, pourquoi on attend un mois ? Pour deux raisons. Première raison, parce que le système racinaire, au moment où on va essayer de percer un trou dans le sol, si on vient juste de mettre un carton, juste de mettre une bâche,
c'est plutôt compliqué parce que le système racinaire est très compact, très dense. Et du coup, ça va être un peu long pour pas grand-chose d'essayer de faire sa place pour pouvoir mettre la motte dans la prairie. Deuxième raison, c'est que si vous faites des trous pour pouvoir justement mettre votre plan à travers la bâche, eh bien, il va y avoir une difficulté que l'herbe va pouvoir ressortir rapidement du trou. Et si ça ressort rapidement du trou, on a la difficulté que ça va s'enherber. Peut-être que l'herbe va prendre le dessus et du coup, la bâche ne va pas servir à grand-chose. Le fait d'avoir mis la bâche un mois avant permet de ralentir l'herbe. Au moment où on fait le trou, ça risque de ressortir, mais ça l'a quand même beaucoup affaibli. Et si votre plan se développe rapidement, il va prendre le dessus sur la prairie, il aura pris de l'avance. Voilà. Donc voilà un peu rapidement comment est-ce qu'on démarre sur bâche, des propositions. On va revenir ensuite sur tout ce qui est itinéraire technique de semis, de plantation. Les alternatives à la bâche, on a vu ici hein, du carton qui peut être listé par la matière organique pour assurer qu'il ne s'envole pas. Ça peut être du géochanvre qui coûte assez cher. Donc c'est une toile de chanvre qui a été comprimée par un procédé industriel. Et ça peut aussi être des engrais verts. On va peut-être travailler le sol, semer un engrais vert. Mais par contre, pour que ça réussisse, il faut que l'engrais vert soit extrêmement poussant. Si vous faites un engrais vert de 20-30 cm, vous n'allez jamais avoir une couverture du sol suffisante. Par contre, si vous savez faire un maïs comme ce brave monsieur de Christian Abadi de 5 mètres de haut, ben là, quand vous allez coucher le maïs, vous allez avoir une vraie couverture végétale et ça va désherber ce maïs, il va désherber, il va détruire l'herbe. Sauf que réussir un tel maïs, réussir un tel seigle, ce n'est pas si facile que ça. Et que finalement, le carton pour détruire l'herbe, ça va très bien, c'est assez facile, et la bâche encore plus. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là, par rapport à ça, n'hésitez pas. Si, on va poser. Rémi, si on bâche maintenant pour le printemps, peut-on faire un apport de matière? Alors, je vais prendre la question juste après. Par rapport à la bâche, si on bâche une prairie qui est poussante, il n'y a pas forcément intérêt à apporter de la matière organique. Si le potentiel du terrain est assez bon, il n'y a pas forcément besoin d'apporter de la matière organique parce que quand vous bâchez, quand vous cartonnez votre jardin, il y a énormément à manger. Il y a tout le système racinaire, il y a toutes les feuilles, même si on n'a pas, si ça a été broyé, mais il y a tout le système racinaire qui est très, très dense, qui va apporter à manger. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'apporter en plus. Et dans certains sols qui sont sensibles aux excès d'eau, ça peut générer des difficultés de mettre trop de matière organique d'un coup à digérer par l'activité biologique. Si c'est du plastique, ce n'est pas écolo, oui et non. Si c'est un plastique qui avait déjà une utilisation, qu'on réutilise et qu'ensuite qu'on va recycler, je ne vois absolument pas où est le problème. Les agriculteurs qui font l'ensilage de maïs ont besoin de ces plastiques-là. Ils sont obligés de s'en débarrasser parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le moindre trou quand ils font leur choucroute de maïs. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème à utiliser du plastique recyclé de cette manière-là. Et puis, la question sur est-ce qu'on peut mettre du fumier de cheval directement sur le sol. De toute façon, tous les apports, on va venir juste après sur comment est-ce qu'on remet en vie dans le cas où ça ne pousse pas. Alors, si dans un jardin, ce n'est pas joli des bâches, on peut aussi faire comme avec le carton, le recouvrir d'un petit matériau, des petites feuilles mortes, des petits, un peu de paille, si vous voulez l'esthétique, c'est tout à fait possible. Quand on travaille dès la première année sur bâche, on n'a pas besoin d'arroser nécessairement, sauf à la plantation, s'il fait sec, et sauf si on veut sécuriser le rendement quand il y a une grosse période de canicule, on voit que les feuilles elles fanent, elles sont fatiguées, à ce moment-là, c'est intéressant d'arroser. On va arroser directement sur la bâche, et puis l'eau va finir par s'écouler par les trous qui ont été réalisés pour pouvoir planter les légumes. Alors, j'avance un petit peu avant de refaire une séance de questions sur les apports de carbone et on va aborder la fameuse problématique de la fin d'azote. Alors, donc dans le cas d'un sol qui pousse tout seul, on n'a pas de problème de fin d'azote, il y a énormément d'azote dans le sol, on plante tout de suite dans la bâche, dans le carton, ça va très bien pousser. Dans le cas
où on a un sol travaillé avec pas beaucoup de matière organique, avec une faible pousse spontanée, il va falloir qu'on remette de la matière organique dans le sol. Alors, première stratégie qu'on peut envisager, c'est un apport massif tout d'un coup. Cet apport tout d'un coup, on peut le faire soit avec des copeaux de bois, soit avec du broyat. Le broyat, c'est cette image. Voilà, c'est quelque chose d'assez… Ce n'est pas complètement noir, ce n'est pas du compost. Il reste encore des gros bouts. Il reste du bois, en tout cas. Hein, on voit du bois qui reste dans le tas. Il chauffe et il va réchauffer à chaque fois qu'on le met en tas. Mais si on l'étale sur le sol, il va arrêter de chauffer. Et c'est un assez bon matériau. Et puis, on peut aussi utiliser du foin, de la paille, des feuilles. Et on va pouvoir, si on fait un apport massif, se dire je vais travailler une dernière fois mon sol pour pouvoir incorporer et activer rapidement l'activité biologique. L'activer rapidement tout d'un coup. Donc, on va par exemple déposer 10 cm de copeaux de bois sur notre sol et passer un coup de motoculteur pour incorporer sur au moins 15 cm, 10-15 cm, de manière à ce que l'activité biologique revienne très vite. Si on dépose juste le bois en surface, il n'y a qu'une faible couche qui va être colonisée par juste la surface copeaux de bois sol qui va être colonisée par les champignons. Et du coup, ça va traîner dans le temps et les champignons ne vont pas se développer aussi rapidement. Si on a un sol qui est enherbé, le fait de travailler le sol et d'incorporer, ça va tuer l'herbe qui est en présence. Donc, le charnon, on va pouvoir s'en débarrasser. On va s'en débarrasser par le travail du sol et ça va assez bien fonctionner. Donc, ça, c'est une possibilité quand on a un sol très déstructuré de restructurer le sol rapidement en travaillant pour une dernière fois le sol, et plutôt au printemps, parce que c'est le moment où l'activité biologique est intense. Si en novembre, au nord de la Loire, on va mettre énormément de carbone et on va le travailler le sol, mais qu'il fait froid, et bien, il y a un risque que le sol se retasse parce que l'activité biologique ne va pas tout de suite la digérer et ça va faire un espèce d'engorgement en matière organique et le sol va se retasser. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de faire des gros apports au printemps. Mais sinon, tous les apports de routine, on peut les faire un peu n'importe quand sans aucun problème. Mais là, c'est un cas assez particulier. Donc le broyat, c'est quelque chose d'assez facile à trouver. On peut se faire livrer des grosses quantités d'un coup, parfois directement par les communautés de communes qui gèrent les déchetteries ou les plateformes qui gèrent les déchetteries. Par contre, Gilles, j'ai pas d'autres astuces que de récupérer tout bout de plastique qui traîne dans ces broyats. Généralement, c'est quand même assez, c'est pas très très joli à voir. C'est pas dramatique, mais c'est vrai qu'il reste pas parfois. Tous les petits bouts de plastique qui ont été ramassés par la pondeuse dans les parcs, etc., arrivent dans le broyat. Et il faut prendre un seau. Et puis, à chaque fois qu'on voit un bout, les retirer si on veut venir à bout. Bon, il n'y a pas de technique particulière pour réussir à trier le plastique qu'il peut y avoir dans ces broyats du compost et du broyat. Donc là, je donne un peu les indicatifs de prix. Comment est-ce qu'on déroule une botte de paille sur un sol? Quelles sont les quantités que ça donne? 20 cm, c'est à peu près. Si on fait 20 cm de paillage, il faut à peu près une boule pour 120 m². Voilà, c'est un peu les ordres de grandeur que je vous donne. Alors maintenant, c'est un peu se poser la question finalement, qu'est-ce qu'est l'idéal quand on fait de l'apport de matière organique et qu'est-ce que c'est la fin d'azote? Alors on va arriver à cette question de fameuse fin d'azote. Qu'est-ce qui se passe? Alors on a fait des essais en pot qui sont très 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 parlants. On a pris du sable, on l'a mélangé avec une matière organique et on a vu comment on a planté un chou dedans pour voir comment est-ce qu'il pousse. Et bien quand on apporte beaucoup de carbone et qu'on le mélange à un sable, c'est comme un sol qui est très travaillé, qui n'a pas beaucoup de matière organique, et bien le chou il ne pousse pas. Le chou ne pousse pas dans un sol qui a été où on a mis beaucoup de copeaux de bois dedans. Et c'est la même chose avec de la paille. Si on met de la paille, ça ne pousse pas. Donc vous allez me dire, j'ai fait ce que Vincent m'a dit, mais ça ne marche pas. Eh bien non, ça ne marche pas parce qu'il y a une fin d'azote. Parce que pendant les six premiers mois où vous apportez beaucoup de carbone dans un sol qui n'en a
pas du tout, qui est vraiment très très vide en carbone, eh bien, la plante elle a besoin d'azote, et tout l'azote qui est disponible dans le sol, il est tout pris pour décomposer le carbone. Et par contre, au bout de 6 mois, c'est bon, le processus de dégradation a tellement produit d'azote, parce qu'en fait, ça produit de l'azote après coup, pas immédiatement quand on en apporte beaucoup dans un sol où il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour ne pas avoir problème, il faut aussi apporter de l'azote quand on apporte beaucoup de carbone sur un sol travaillé, un sol à faible potentiel. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici dans ce pot-là. On a dit, ben, on va prendre du gazon et on ne va pas mettre 10 cm de BRF, on va mettre 10 cm de BRF plus 10 cm de gazon. On va tout mélanger sur 15 cm, 15-20 cm de sol. Et ça va nous faire des super beaux choux. Et en fait, on va à la fois nourrir la plante et à la fois nourrir le sol. Et donc, à ce moment-là, tout le monde va être content. Et donc, on a un très bon résultat. Donc, la clé, c'est de, si vous ne voulez pas éviter les fins d'azote, on nous fait des apports massifs, c'est d'apporter à peu près moitié, moitié, moitié de carbone, moitié d'azote. Je ne voulais pas montrer ça. Je ne l'ai pas là. Donc, apporter moitié de carbone, moitié d'azote. Ce qui est intéressant, une autre alternative, plutôt que de faire des apports massifs, on peut aussi faire des apports plus réguliers dans le temps. Et là, dans ce cas-là, l'idée, c'est de viser des C sur N plus bas qui apportent finalement tout de suite à la fois à manger à la plante et à la fois à manger au sol, mais dans le temps, répété dans le temps. Donc, une fois pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous allez apporter à la fois du carbone pour votre sol, à la fois du carbone à la fois de l'azote pour vos plantes. Et donc, ça, c'est typiquement le broyat, ça fonctionne très, très bien. Plutôt que de mettre 20 cm de broyat et de l'incorporer, on pourrait aussi en mettre juste 5 cm sans travailler le sol. Donc là, il n'y a plus besoin de travailler le sol. Juste, on recouvre le sol de quelques centimètres de broyat et on n'a plus besoin de le travailler parce que l'activité biologique va revenir relativement rapidement et les plantes ne vont pas avoir de fin d'azote parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'azote que dans des copeaux de bois. Dans le test tout à l'heure, là, avec mes pots, c'était des copeaux de bois très, très riches en azote. Ici, il y a un bon mix carbone-azote qui fait que vous pouvez tout de suite vous lancer avec des C sur N de 20-30 à ne pas travailler les sols, à arrêter le travail du sol, à déposer ça sur le sol. Et donc, par exemple, ça peut être un fumier de cheval plus un peu de gazon, 15 cm de fumier de cheval plus un peu de gazon. Dès les premières années, ça va très bien fonctionner, même sur un sol qui n'a plus d'activité biologique, qui fonctionne mal. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez partir sur n'importe quel type de sol. Et ce qu'on peut même constater, c'est que si on part d'une dalle de béton, si on part d'une jardinière, si on part d'un balcon, eh bien, on peut mettre 20 cm de broyat dans la jardinière, dans le balcon, sur la dalle de béton, 20-30 cm. Et 20-30 cm, vous plantez tout ce que vous voulez immédiatement dedans et ça va pousser tout de suite. Et donc, même sur un système où ben, on avait envie de cultiver sur sur du gravier, parce qu'il y avait du gravier qui recouvrait tout le jardin, et ben, ce n'est pas grave. On peut à la rigueur enlever le gravier, mais complètement se moquer de ce qu'il y a en dessous et cultiver directement dans le broyat. Et petit à petit, il y a des vers de terre qui vont recoloniser le broyat et puis ils vont refaire une connexion avec le sol. Ils vont incorporer le broyat dans le sol, mais ça de manière… ça prendra peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, mais dès le départ, vous pouvez cultiver votre potager très, très rapidement. Alors, si vous avez un peu des doutes sur comment… quelle matière organique utiliser, à quel moment il faut le mettre, quelle dose il faut apporter, et bien on utilise ce que nous a appris Lucien Segui. Je pose une question à la nature, elle me répond, et ça s'appelle les carrés magiques. Et donc, les carrés magiques, l'idée, elle est assez simple. C'est, on fait des carrés de 2 mètres par 2 mètres, et par exemple, on va se poser la question, est-ce que mon terrain pousse tout seul pour mon petit potager, eh bien, je prends un,
je prends un carré, je fais peut-être 5 mètres par 5 mètres, je pose par exemple une bâche que sur une bande, je pose de la paille plus du gazon, je pose du broyat de déchets verts si j'ai ça sous la main. Il n'y a pas de meilleure matière organique l'une que l'autre, la meilleure c'est celle qui n'est pas chère, qui est accessible, qu'on a disponible, que le voisin peut nous donner, les voisins agriculteurs peuvent nous donner, que la plateforme de compostage a, et qui a suffisamment de carbone. Et ensuite, je plante un mois après mes courges, mes tomates, mes pommes de terre, et je vois si ça pousse ou si ça ne pousse pas. Et rien que le fait de mettre en place ce petit essai tout bête, vous allez pouvoir énormément apprendre. Et du coup, vous allez voir si tout de suite sur bâche ou sur carton, ça va pousser correctement ou pas, ou s'il fallait impérativement mettre du broyat pour que ça marche. Et donc, avec ce petit test-là, très simple, qui s'appelle le carré magique, vous allez pouvoir vous-même répondre aux questions que vous vous posez dans votre contexte pédoclimatique, dans votre terrain, avec toutes les conditions particulières qu'il y a chez vous. Et puis, on peut multiplier les essais si vous aimez tester, si vous ne savez pas trop quoi faire. Quand je dis planter, c'est des plants, oui, Robert. C'est des plants. C'est des plants de courges, c'est des plants de tomates, mais on pourrait aussi les semer, les courges. Les tomates, ce sera un peu plus compliqué. Et les pommes de terre, c'est forcément le tubercule. Par exemple, on se posait la question, quel est le mélange idéal pour remettre en vie un sol? Si vous doutez, vous pouvez faire ces petits essais-là. Mais sachez que si vous mettez 10 cm de broyat ou 5-10 cm de broyat chaque année sur n'importe quel type de sol, ça va pousser dès le départ à coup sûr. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour sur comment est-ce qu'on remet en vie un sol. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? N'hésitez pas à prendre le micro. Si vous avez des remarques, des suggestions par rapport à ça, des interrogations, n'hésitez pas. Oui, moi, j'en ai une. Quand on fait un compost, quand on met du fumier de cheval, de la paille et en lasagne et qu'on le laisse composter et qu'on le remet au printemps dans le potager, est-ce que ça peut être un bon équilibre carbone-azote? Il y a cette solution-là ou carrément mettre les déchets verts directement dans le potager plutôt que de les remettre au compost? C'était une question, quelle est la plus efficace? Est-ce que le fait de faire un compost en lasagne, c'est bien comme ça? Et ça, justement, ça amène azote et carbone en même temps dans le sol. En fait, le vivant ne composte pas. Quand vous regardez une prairie, le compostage se fait toujours sur place, en direct, et le processus de création de matière organique se fait au champ, sur la parcelle, dans la forêt, en direct. Donc, on perd du carbone quand on fait du compost. Par contre, c'est bien d'avoir du compost, on va le voir juste après, comme un outil pour gérer le désherbage. Donc, ce n'est pas idiot de faire du compost parce que c'est un très bon outil pour ne pas avoir à désherber. Toutes les semis de carottes, de mâches, on va le voir tout à l'heure. Mais en termes de vie du sol, mieux vaut mettre tous ces déchets directement sur le sol. C'est comme ça que ça profite le mieux au sol et que ça nourrit au mieux. Et plus un produit compost, plus il perd du carbone parce que tout simplement il chauffe, donc il y a de l'énergie qui est perdue, il y a du CO2 qui est évacué, il y a toute une activité biologique qui était nourrie dans le tas qui n'est plus nourrie dans le sol. Ceci étant dit, pour des sols qui sont très dégradés, apporter que du carbone et pas du tout d'azote, ça va faire que ça ne pousse pas. Donc, dans ces cas-là, c'est bien d'avoir du compost sous la main parce qu'on va pouvoir à la fois peut-être apporter des éléments plus carbonés pour nourrir le sol et à la fois apporter des éléments plus azotés pour nourrir tout de suite les plantes qui n'en ont pas. Mais une fois que ce processus de remise en vie est fait, il n'y a plus forcément besoin d'apporter autant d'éléments azotés parce que le sol en a énormément et en génère spontanément grâce à tout le carbone qu'on met. Je mets du carbone et je chie de l'azote, c'est le ver de terre. Voilà. Je mange du carbone et je chie de l'azote parce que ce processus de décomposition des carbones crée énormément d'azote.
Il y avait aussi Jean-Claude qui avait une question. Oui, je voulais savoir pour les, si on fait des allées, oui, comment on fait, on les, faut les désherber ou faut les intégrer dans la bâche ou pas? Si on fait des allées, c'est une bonne question. On y reviendra un peu à la fin sur le design de jardin. On y reviendra à la fin tout à l'heure. Ouais. Ok. Oui, il faut mieux mettre du compost grossier que du compost qui a complètement fini de composter. Et tous les fumiers se valent, oui, non. En fait, les fumiers de chevaux, généralement, sont très pailleux. Et donc, c'est plutôt un fumier de cheval, généralement, c'est un césurène de entre 30 et 60. Je parle bien de fumier de cheval, je ne parle pas de crottin de cheval pur. Alors qu'un fumier de poule ou un fumier de brebis, c'est plutôt un césurène de 5, de 1 à 5. Et le fumier de vache, c'est entre les deux, entre 10 et 20. De césurène. Donc là, les fumiers ne sont pas les mêmes. Et les fumiers de brebis, les fumiers de poules, les fumiers de... ces fumiers-là vont plutôt servir à apporter de l'azote. Et les fumiers de vache vont être en fait finalement assez équilibrés. Après, le problème, c'est qu'il y a fumier de vache et fumier de vache. Vous avez des fumiers de vache très, très bouseux, très, très liquides. Vous avez fumier de vache très pailleux. Donc... Il faut avoir le fumier face à soi pour pouvoir dire ce qu'il est très, s'il est très liquide, ça veut dire qu'il est plutôt comme un fumier de poule très riche en azote. Et s'il est très pailleux, bah, il est plus proche de la paille que du fumier très liquide. Et donc, à ce moment-là, il est intéressant pour pouvoir pailler directement les cultures. Il n'y a pas trop d'intérêt du crottin. Enfin, le crottin seul, c'est de l'azote, quoi. Il faut le voir comme l'azote. Les urines, tous les excréments, c'est de l'azote pur, quoi. Alors, le crottin est un peu moins intéressant que... Enfin, c'est moins dynamique que pour le... C'est quand même beaucoup moins dynamique en termes d'activité, d'azote. L'azote du crottin de cheval est moins dynamique que l'azote... d'un fumier de poule ou d'un fumier de vache. Là, je vais rentrer dans comment est-ce qu'on fait en pratique pour semer, pour planter. Comment est-ce que dans je sème une carotte, comment est-ce que je plante une tomate pour que ça fonctionne sans aucun travail du sol. Alors, il y a, pour commencer, peut-être rappeler que je ne vais pas vous expliquer à quel moment il faut semer une carotte et à quel moment il faut planter une tomate ou semer en pépinière une tomate pour la planter ensuite. Il y a des guides tout faits là-dessus, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne vais apporter aucune valeur là-dessus. Il n'y a aucune différence sur les dates d'implantation entre un jardin sur sol vivant et un jardin conventionnel. Donc, je renvoie à des ouvrages de référence. Le Torres, c'est l'ouvrage un peu de référence. Il y a des guides de semi-biodynamie là, qui est fait par un collègue qui marche aussi bien. Voilà, je vous renvoie des ouvrages comme ça. Je rappelle quand même ici les dates un peu clés au nord de la Loire des implantations des légumes. Vous enlevez un mois si vous êtes au sud de la Loire. Et je vous donne quelques références si vous ne savez pas où acheter vos graines. Tout ça, c'est des adresses qui fonctionnent tant pour les pros que pour les particuliers. Donc, vous pouvez vous pouvez acheter vos graines chez nos fournisseurs bio qui ont des très bonnes qualités de graines. Ça se passe directement sur Internet. Je vous renvoie vers ça. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on sème? Eh bien, pour semer, il faut avoir un sol propre. Pourquoi est-ce qu'il faut un sol propre? Parce que si vous semez une carotte dans une prairie, jamais la carotte va pousser parce qu'elle va être concurrencée par l'eau et par les nutriments, par l'herbe qui l'entoure. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'herbe autour de vos semis. Et donc, c'est un des facteurs clés de réussite de tout semis, c'est d'avoir un sol qui soit le plus propre possible pour que la culture s'établisse bien. Après, une carotte, elle peut tout à fait se faire enherber en fin de culture sans avoir aucun souci. Mais au démarrage, c'est juste impossible. Parce que vous faites l'expérience, hein, jetez des graines dans votre pelouse, vous ne retrouverez jamais une carotte. Alors, comment est-ce qu'on a un sol propre?
Eh bien, on a un sol propre parce qu'on a peut-être bâché et qu'ensuite on va débâcher. Peut-être parce qu'on a un sol paillé, mais où il n'y a pas de vivaces, parce qu'un sol qui est paillé et où les vivaces n'ont pas été enlevées, ben, il va se remplir de vivaces. Et du coup, quand vous allez enlever la paille, vous allez encore faire exploser encore plus les vivaces. Et du coup, c'est un sol où vous enlevez la paille, vous enlevez la bâche, qui est nu. Alors, un sol nu, on n'aime pas avoir longtemps un sol nu, parce qu'un sol nu, c'est un sol qui va se faire agresser par les rayons du soleil. C'est un sol qui va s'enherber rapidement, parce que les graines vont germer sous l'effet du choc lumineux des rayons du soleil. Donc, on va laisser le temps le plus court possible un sol dénudé. Après, il n'y a pas de dogme non plus là-dessus. Donc, si à petite échelle, on va généralement semer à la volée ou semer en ligne, sur le sol nu, on peut rouler, tasser, c'est pas une obligation, ça va me permettre d'avoir un meilleur contact graine-sol, mais c'est pas une obligation. Et ensuite, on va peut-être tout de suite couvrir le sol, c'est pas encore une fois une obligation. On peut recouvrir avec du compost, et c'est là où le compost nous aide beaucoup, parce que si on recouvrait le sol avec de la paille, un semis, eh bien, la paille aurait l'effet désherbant, du coup, la carotte s'épuiserait à essayer de traverser la paille. Donc, c'est pour ça que le compost nous aide bien, ou la paille courte. Des pailles courtes, il y a plusieurs types de pailles courtes. Il y a la paille courte de paille, qui s'appelle la menu paille. Il y a la paille de miscanthus, il y a la paille de la paillette de lin, il y a la paillette de chanvre. Et puis, vous pourrez trouver peut-être d'autres idées de débris, comme les feuilles mortes. Recouvrir le sol tout de suite, le protéger de manière à ce que votre semis ne s'enherbe pas. Si le temps est sec, on va arroser immédiatement parce qu'il faut de l'eau pour que les graines germent. Par exemple, la carotte, c'est très symptomatique, c'est qu'il faut 15 jours d'humidité pour qu'un semis de carotte réussisse. Donc, si vous mettez des carottes, vous les semez sur le sol nu, vous mettez 2-3 cm de compost dessus, et juste après, vous ne faites rien, le compost a une très désagréable tendance à sécher rapidement, et du coup, jamais la carotte va lever. Donc, il va falloir l'arroser tous les jours, voire en système séchant, 2 fois par jour. Pour éviter que le compost sèche, on peut le recouvrir d'une petite fine voile de paille courte, et ça aide bien à garder l'humidité du compost. Mais c'est vraiment important de garder l'humidité pour la carotte. Il y a d'autres graines qui sont beaucoup plus rapides, qui ont moins besoin d'humidité, le radis, l'épinard, la blette, le navet, le radis noir, sont des cultures qui germent relativement bien, même avec peu d'eau. Mais s'il n'y a pas du tout d'eau, ça ne germera pas. Et puis ensuite, si on a arrosé au démarrage ou si on a eu la chance qu'il pleuvait ou que le sol était déjà bien humide et qu'il n'y avait pas besoin d'arroser, à ce moment-là, il ne reste plus qu'à récolter. Et donc, il n'y a aucune autre opération à faire. On a mis tout en place pour que le sol ne s'enherbe pas parce qu'on n'a jamais travaillé le sol, ce qui fait lever la dormance des graines et qui fait le binage, c'est infernal. Vous binez, donc vous désherbez, mais vous travaillez le sol, donc vous faites lever la dormance des graines. Donc, il faudra à nouveau détruire toutes les graines que vous avez fait germer au précédent binage. Donc, vous allez redevoir faire un binage et vous allez biner comme ça. Alors que si vous ne touchez pas du tout au sol, vous empêchez une grande partie des graines du sol de germer. Et plus vous mettez d'épaisseur de paillage, plus vous garantissez que vous n'aurez pas à désherber. À partir de 5 cm de compost, vous allez avoir une garantie de ne pas avoir de désherbage, sauf si le compost a des graines. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il est bien chauffé pour ne pas qu'il ait de graines. Et puis en paille courte, déjà 2-3 cm, ça fait déjà beaucoup de travail. Donc voilà pour les semis. Donc là, on voit un exemple de semis de radis. Bon, de semis de radis ici. On voit un exemple de semis de carottes en ligne. Alors là, c'est un semis. Où on a semis sur le sol nu, on a recouvert de compost. Ici, c'est un peu différent. On s'est dit, on va semer dans du broyat. Donc, on considère le broyat un peu comme un sol mort. On peut faire un sillon dedans sans aucun problème parce qu'il n'y a pas de graines dedans parce qu'il a chauffé. Donc, on peut le travailler, mettre la graine, le recouvrir la graine en faisant un petit coup de râteau comme on a l'habitude de faire en jardin. Et à ce moment-là, ça, y a rien d'autre à faire. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les broyats compost? Oui, on a fait ça, ça c'est bon. Ensuite, on peut aussi semer, non pas dans un. On peut essayer de semer en direct dans de la paille. C'est un peu plus long parce qu'il faut écarter la paille. Écarter la paille pour pouvoir retrouver le sol, pour pouvoir mettre la graine sur le sol, et pouvoir recouvrir la graine de quelque chose pour pas que ça s'enherbe sur le rang. Et donc, comme ça, on peut, bah, vous voyez cet exemple de semis dans de la paille. On peut aussi tenter de semer sur un sol complètement nu, attendre que ça lève et laisser le sol nu jusqu'à ce que la plante fasse cette taille-là, 4-5 cm. Quand elle fait 4-5 cm, à ce moment-là, on paille. L'avantage, c'est que du coup, on n'a plus besoin de compost. On peut utiliser de la paille ou du fumier de cheval ou du foin ou de la feuille. Et on n'a pas de compost à manœuvrer ou à acheter si on n'en a pas facilement. Si on a davantage serré, on peut même se dire que par exemple ici c'est une betterave, la betterave va couvrir très vite tout l'espace s'il est suffisamment serré et du coup va coloniser toute la place et du coup les mauvais arbres n'auront pas le temps de prendre le dessus et c'est la culture elle-même qui va être la couverture végétale du sol. Et donc, ça marche vraiment bien pour les plantes qui se développent très vite. Donc, ce n'est certainement pas le cas de la carotte, de la mâche, mais c'est le cas de l'épinard, de la blette, du radis noir, du navet, etc. Donc, voilà pour les semis. Ça va assez vite. Hein. Maintenant, on va pouvoir passer aux plantations, tout ce qui se plante. Donc, ce qui se plante, c'est toute la liste des légumes qui est là avec le rappel des dates. On va voir les différentes formes de plants. On va commencer par les plants mottes. Comment est-ce qu'on plante une motte? Alors pour planter, généralement, on va planter dans différents types de paillage. Ça peut être une bâche, ça peut être de la paille, ça peut être du compost. Si c'est de la paille, vous voyez ici, vous écartez la paille jusqu'à ce que vous retrouvez le niveau jusqu'à ce que vous retrouvez la terre. Vous enfoncez bien la motte dans le sol. Il faut bien que le haut de la motte soit au niveau du sol. Là, le haut de votre motte, il faut qu'il soit au même niveau que le niveau du sol pour bien que les racines puissent rentrer dans le sol. C'est vraiment important de bien prendre le temps d'avoir un bon contact motte-sol pour que les racines se développent rapidement. Et si on plante dans une bâche, il va falloir faire attention. Ça, c'est un peu dangereux si vous avez une bâche noire et que la base de la plante, qu'on appelle le collet, touche la bâche, la plante va griller s'il y a un gros coup de chaleur à ce niveau-là. Et donc, ce qu'on fait pour éviter ça, on met un peu, par exemple, ici, de paille au pied et ça va empêcher de chauffer au pied. Là, on avait mis un peu de paille, justement, d'un point de vue esthétique, puis on l'avait rassemblé parce qu'il fallait quand même que le gros inconvénient le gros inconvénient du paillage, c'est que ça isole thermiquement le sol. Donc, c'est beaucoup plus lent à réchauffer au printemps. Et donc, la bâche, elle a le gros intérêt de tout de suite chauffer au printemps. Et donc, les cultures qui ont besoin de chaleur ou qui sont précoces, parce qu'on a envie d'avoir rapidement des légumes, eh bien, ça va bien fonctionner. Donc, c'est pour ça que là, cette bâche-là, dans notre petit jardin, on a un peu enlevé la paille pour que ça réchauffe et pour que le fraisier il profite bien au tout début du printemps. Voilà, donc là on a vu plantation de toutes les mottes, que ce soit dans du compost, dans de la paille, dans une bâche. Et donc le gros avantage, c'est que vous prenez une prairie fertile, vous posez une bâche dessus ou des cartons, plusieurs couches de carton quand même pour être sûr que ce soit suffisamment épais et que l'herbe ne traverse pas. Vous pouvez planter un mois après et mettre en place une culture pour trois fois rien directement chez vous. Alors, la seule condition, c'est que ça pousse tout seul auparavant. Il faut que l'endroit où vous avez mis ça pousse bien tout spontanément. Si ça ne poussait pas, on aurait pu mettre directement cultiver dans du broyat, étaler du broyat, comme on a fait ici dans cette serre. On étale du broyat, on plante dans le broyat tout de suite sur un sol travaillé. On retravaille une dernière fois si on avait envie de le désherber et on pose le broyat sur le sol, on plante dans le broyat. C'est la même chose qu'on fera dans notre jardinière, qu'on fera dans sur une dalle de béton si on n'a qu'une dalle de béton à notre disposition. À ce moment-là, on plante directement nos légumes dans le broyat. C'est très facile.
Et voilà les résultats que ça donne sur de la courge, sur de la mâche, la plantation. Alors maintenant qu'on a parlé des plants, on va parler des autres choses qui se plantent. En fait, c'est un peu la même façon de semer tout ce qui est grosses graines, maïs, courge, pois, haricots, fèves. Ça se fait quasiment de la même manière qu'un plant, parce qu'en fait, une grosse graine, elle a une capacité de traverser le paillage que n'a pas une petite graine comme une graine de carotte ou de navet. Et du coup, vous allez pouvoir déposer vos graines à travers le paillage, passer les graines à travers le paillage pour que la graine soit bien en contact avec le sol, et elle va retraverser toute seule le paillage grâce à son gros pouvoir, sa grosse réserve énergétique, parce que c'est une grosse graine. Donc, soit vous posez un à un à travers le paillage les graines, ou vous utilisez une canne à planter, soit vous avez un sol nu, vous déposez les grosses graines ou les bulbilles d'oignons, et ensuite vous repaillez après. Donc vous avez un sol nu, vous déposez les grosses graines, ensuite vous repaillez après. Des fois c'est plus facile de déposer les graines, c'est toujours plus facile de déposer les graines sans paillage qu'avec un paillage où il faut retrouver le chemin du sol à travers le paillage. Donc voilà pour là c'est un petit oignon, on voit que bon, on a dégagé la paille autour de lui, mais on le ferait pas, hein. On mettrait la paille qui recouvrirait tout, et là on voit que l'oignon il a bien été capable de faire des feuilles de 15-20 cm qui traversent un paillage de 15-20 cm. Il faut que les paillages soient un petit peu plus faibles pour du poids, pour de la fève, plutôt 10-15 cm. Mais c'est capable de traverser des gros paillages. Et du coup, on est sûr que ça ne va pas s'enherber. Parce qu'il n'y a que des grosses graines qui sont capables de traverser de tels paillages si à la base le sol était sans vivace. Et comme on a bien détruit les vivaces auparavant par un bâchage, typiquement, on va d'abord bâcher, cultiver sur la bâche. Ensuite, l'année d'après, on va débâcher et on va mettre en place ce genre de culture. Ou des semis, ou des choses comme ça. Les pommes de terre, on peut poser les pommes de terre sur le sol et puis apporter la paille par-dessus. Et puis, l'avantage aussi d'une pomme de terre, c'est que vous pouvez tester dans un coin de votre jardin. Vous pouvez faire pomme de terre sur pomme de terre plusieurs années de suite, ça marche assez bien. Pour les poireaux, il faut utiliser un poinçon parce qu'on n'a pas envie de buter, on n'a pas envie de travailler le sol. Donc on va pas buter les poireaux pour faire des longs fûts de poireaux. Donc pour avoir des longs fûts de poireaux, on va enfoncer profondément le poireau dans le sol et ensuite il fera sa vie. Et il n'y aura pas besoin de désherber parce que le sol sera paillé. Il n'y aura pas besoin de travailler le sol, il n'y aura pas besoin de buter, de biner. On pose la porette, donc le bébé poireau, tout au fond du trou, d'un trou le plus profond possible pour avoir le plus de blanc possible. Et ensuite, on arrose parce que le poireau a besoin de beaucoup d'eau. C'est un légume de marais comme le céleri. Et c'est des légumes où si vous n'arrosez pas, vous n'aurez pas des jolis calibres. Il faut vraiment arroser. Et en particulier, ce sont des légumes qui s'implantent au mois de juillet ou fin juin, juillet. Et donc, à des moments où il n'y a généralement pas beaucoup d'eau. Donc, il faut impérativement arroser, arroser, arroser si vous voulez réussir ces deux légumes-là. Et même tout au long de la culture, il y a besoin de pas mal d'arrosage pour avoir des gros poireaux et des céleris de 600 grammes, 1 kg. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là, sur tout ce qui est semi-plantation? Alors, il y a la question de Pascal. Qu'est-ce qu'on fait si le sol n'est pas assez réchauffé? Eh bien, on va par exemple ne pas travailler sur des sols paillés à la paille, mais paillés au compost ou paillés au broyat. Ou on va travailler avec une bâche qui aura été mise auparavant et qui va réchauffer le sol. Et à ce moment-là, on aura un sol chaud au moment où on va planter. Et donc, à ce moment-là, on n'aura plus les problèmes de sol qui ne se réchauffent pas. On met la grelinette à vendre sur le bon coin, sauf pour planter les poireaux. Si vous avez beaucoup de poireaux à planter, mais il faut vraiment en avoir beaucoup. Et la grelinette, oui, on la met au placard et surtout on la vend parce que comme ça on va se faire un petit billet pour s'acheter des graines. Mais oui, la grelinette, c'est les vers de terre qui font les trous que sont censés faire les grelinettes. Et du coup, comme vous avez bien nourri les vers de terre, vous avez tout fait pour qu'ils reviennent là massivement. La grelinette n'a pas d'intérêt majeur,
sauf dans des cas assez particuliers où vous avez des sols très argileux ou des sols à tendance hydromorphe, où ça fait floc-floc quand on marche dedans l'hiver, où ça sent la vase quand on met le nez dedans. À ce moment-là, ça peut être intéressant d'utiliser la grunette au moment où ça sent mauvais, au moment où ça s'engorge, pour aider à drainer. Ça peut, dans ces cas précis, être intéressant. N'hésitez pas, il y a Jean-Claude qui voulait peut-être intervenir. N'hésite pas. Jean-Claude, on ne t'entend pas. Il faudra que tu réactives ton micro. Je ne sais pas si tu voulais intervenir, mais bon. Moi, j'avais une question sur le paillage et les limaces. Parce que quand on plante dans du paillage, en fait, la plante est mangée dans les 24 heures par la limace. Oui, j'y viens juste après sur les ravageurs. Pas de souci. Bon, j'avance un peu alors. Pendant qu'on parlait de plantation, j'ai rapidement parlé de planter les vivaces. Alors les vivaces, il y en a tout un tas. Pour être sûr que vous suivez bien, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat toutes les vivaces qu'on peut planter dans un jardin? Quels sont tous les légumes vivaces qu'on peut planter facilement dans un jardin? N'hésitez pas à écrire dans l'onglet conversation. Donc là, vous voyez sur mon écran l'artichaut. Donc oui, voilà, il y a les poireaux perpétuels, il y a le céleri, il y a des choux perpétuels, il y a les asperges, l'ail des ours. Beaucoup de plantes aromatiques finalement sont des vivaces, le thym, la lavande, le persil, enfin pas le persil non, mais ça peut quand même se ressemer et arriver à voir un peu le fonctionnement d'une vivace, voire même rester périn dans le temps. Il y a aussi tous les petits fruits, hein, tous les petits fruits rouges, les fraises, les framboises, les myrtilles, les cassis, les groseilliers, tout ça, ce sont des vivaces qu'on peut facilement implanter. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on réussit l'implantation de vivaces dans notre jardin à coup sûr? La réponse, c'est qu'il faut absolument que le sol soit débarrassé des vivaces concurrentes, donc des vivaces orties, chiendents, chardons, rumex, etc. Et pour être absolument garanti qu'ils ne se développent pas, utilisez des cartons, plantant des cartons ou planter dans de la bâche. Et si la bâche vous gêne, recouvrez-la d'une jolie matière organique qui vous plaît bien. Et comme ça, vous êtes sûr, vous êtes tranquille de ne pas avoir à être envahi, de ne pas avoir vos fraisiers, vos framboisiers, vos asperges envahis par du chiendent, par du rumex, parce que vous, dans le carton, dans la bâche, rien d'autre va pouvoir pousser que ce qui a été planté à travers le trou du carton ou le trou de la bâche. Donc, et par contre, c'est extrêmement facile. Et par contre, qu'est-ce qui se passe si on veut nourrir et être sûr que ça se nourrisse dans le temps? Eh bien, en fait, on va pouvoir apporter, par exemple, tous les 3 ans, 3 cm de copeaux de bois. On peut relever la bâche et mettre sous la bâche. On peut même mettre sur la bâche et les vers de terre vont aller choper la matière organique pour les renfoncer dans le sol à travers les trous ou par les bords. Et ça marche tout aussi bien. Et donc, on va juste s'assurer de nourrir l'activité biologique en apportant de l'ordre de 1, ce que je disais tout à l'heure, 1 cm de copeaux de bois par an, mais ça peut être tous les 3 ans, ça peut être fait une fois tous les 3 ans, donc 3 cm tous les 3 ans. Voilà. Et avec ça, c'est juste ultra facile de planter toutes les vivaces et de réussir. Et c'est la même chose pour vos fruitiers, c'est la même chose pour réussir à l'implantation de vos pommiers, poiriers. C'est indispensable qu'un arbre sur un mètre carré n'ait aucune concurrence les 3 premières années. Après passer 3 ans, il a suffisamment de vigueur pour pouvoir se battre contre l'appétit de l'herbe. Mais pendant les 3 premières années, bah, vous devez le chouchouter comme vous allez chouchouter un fraisier, un framboisier. Les cartons, on va éviter tous les cartons qui sont imprimés. Et on n'utilisera que les cartons qui restent la couleur carton, quoi. Les cartons imprimés, on les évite à cause de toute l'encre qu'il y a dedans. Et s'il y a un petit peu d'impression de couleur noire sur les cartons, ce n'est pas dramatique.
Donc, on va privilégier les cartons. Si vous n'avez pas assez de cartons, vous allez à la première déchetterie du coin et vous allez voir une benne remplie de cartons. Voilà. Alors, est-ce que des associations sont antagonistes de légumes? Forcément, oui. Mais ce n'est pas si... c'est pas le premier critère prépondérant, de même qu'il y a des associations qui sont bénéfiques. Je ne m'étends pas trop là-dessus parce qu'on se rend compte que ce n'est pas un débat prioritaire. Déjà, un débat prioritaire, si vous voulez avoir un beau jardin, c'est d'avoir des légumes qui soient sur un sol où il y a beaucoup de fertilité, où ça pousse tout seul. Et si déjà vous avez des légumes qui poussent tout seul, parce que vous avez un sol qui est en pleine vie, en pleine forme, à ce moment-là, tout va pousser merveilleusement bien, quel que soit le type d'association que vous allez faire. Alors forcément, il y a des associations qui vont encore renforcer certains aspects, mais c'est du détail. Voilà, c'est du détail à notre niveau. Après, c'est vrai que Gilles dit les avis sont partagés sur le net. Vous trouverez tout un tas de débats pour dire que le fumier de cheval, c'est une catastrophe sanitaire parce qu'il y a des résidus vétérinaires dans le fumier de cheval, parce que les pailles ont été traitées au glyphosate de blé et qu'il y a des résidus de produits chimiques. Concrètement, le réseau maraîcher Solivant est assez régulièrement contrôlé par les fraudes et regarde 300 molécules interdites dans nos salades, dans nos carottes. Ils n'en ont jamais trouvé, ils n'ont jamais rien trouvé. Alors qu'on utilise de la paille de blé, alors qu'on utilise peut-être du fumier de cheval, et ils ne retrouvent pas du tout de traces. Donc on a la preuve par la mesure que ce sont des faux débats, des faux sujets, et que l'activité biologique a tendance quand même à dégrader assez proprement les résidus de paille conventionnelle ou de fumier dans lequel il pourrait y avoir des traces d'antibiotiques. Voilà, on avance. Je vais attaquer la partie désherbage ravageur. Alors, l'un des résultats principaux du réseau maraîcher Solivant, c'est qu'on peut atteindre le zéro désherbage. L'agriculteur biologique conventionnel passe 30% de son temps à désherber. J'ai les données officielles, voilà, 30% de son temps à désherber, pas forcément à la main, c'est souvent plutôt par du travail mécanique, mais il va falloir faire beaucoup de passages de binage, de butage, pour pouvoir gérer l'enherbement des cultures. Toute la question, c'est comment faire pour ne plus jamais désherber. Il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est la densité des cultures. Si vous avez des cultures très serrées, elles vont naturellement couvrir, on en a déjà parlé. Si vous réglez bien les épaisseurs de paillage, elles vont naturellement empêcher les graines de germer parce qu'elles vont avoir énormément de mal à traverser le paillage. Et parce que ça fait aussi un effet anti-germinatif. La succession, les successions de cultures sont aussi importantes. Il y a des cultures qui sont plus sensibles à l'enherbement, donc il va falloir faire attention que la culture suivante soit plus résistante, soit plus concurrentielle. Par exemple, un semis de carotte va facilement s'enherber, surtout si vous mettez des faibles quantités de compost. Et du coup, derrière un semis de carotte, il va falloir peut-être mettre une culture où il y a plus de paillage. Par exemple, une culture d'oignon, il y a beaucoup de paillage, et du coup, vous allez vous garantir le non-développement des mauvaises herbes au démarrage de l'oignon. Après, on peut aussi accepter que la carotte s'enherbe à la fin de culture, que ça refasse d'une certaine manière une prairie, mais à ce moment-là, il faudra tout redétruire à coup de bâche ou à coup de carton, voire un léger travail du sol, ça peut être aussi une option. Très superficiel, mais le carton, la bâche est plus efficace. Et donc, à ce moment-là, ça s'est enherbé, ça produit un couvert végétal gratuit et le couvert végétal, on le détruit par bâche. Je reviendrai juste après sur les couverts végétaux. Par contre, la plus grosse des difficultés, et là où il faut être très vigilant, c'est les vivaces. Les vivaces, les fameux... ortie, chardon, chiardon, rumex, liseron, etc. Si vous êtes enherbé par ces cultures-là, soit vous les enlevez à la main, mais c'est extrêmement compliqué de se garantir d'enlever tous les bouts de rhizome d'un chardon à la main. C'est quasi sûr que
Vous n'allez pas y arriver d'un coup. Par contre, vous pouvez les épuiser à force de passer, repasser, repasser. Donc, sa petite échelle, ça marche relativement bien de les épuiser. À chaque fois qu'il y a une tête de chardon, on l'enlève et on la relève, on la relève. Une autre façon pour ne pas avoir à désherber, c'est accepter que le chardon puisse arriver. Parce que c'est quand même les seules cultures qui ont suffisamment de vigueur pour traverser les paillages. Mais à la fin de la culture, on rebâche et on fait une année entière de culture sur bâche ou sur carton pour les détruire complètement et ensuite repartir sur une base où il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de vivaces. Voilà. Donc soyons vigilants, si vous ne voulez pas désherber, si vous ne voulez pas vous faire envahir, à bien avoir des temps de bâchage suffisamment longs ou des temps de cartonnage suffisamment longs pour pouvoir détruire ces vivaces, surtout au démarrage et à chaque fois que nécessaire s'ils reviennent. Donc voilà pour le désherbage. Qu'en est-il des ravageurs? Qu'en est-il des limaces? Alors, il y a des premiers points à donner pour, par rapport à ces ravageurs, c'est que déjà, des plantes saines, je vous renvoie aux travaux d'Olivier Husson et de John Kempf, vous regarderez, vous cliquez sur les vidéos, là, vous allez voir la vidéo qui va avec quand vous cliquerez sur votre diaporama. Donc, il explique en quoi une plante en bonne santé est naturellement résistante aux ravageurs. Et John Kempf a aussi un autre modèle pour expliquer en quoi une plante qui est suffisamment bien nourrie va pouvoir produire des protéines, des lipides, des huiles essentielles, des tanins, autant de chaînes carbonées plus complexes qui ne sont pas digestes par successivement des insectes suceurs comme des pucerons, comme par le mildiou, par des champignons, par des virus, parce que la plante, son système immunitaire, c'est « je suis agressé, si j'ai suffisamment de vitalité, suffisamment à manger », je produis des chaînes carbonées plus complexes, plus longues, et du coup, qui sont indigestes pour les ravageurs, et du coup, le ravageur ne peut plus m'attaquer. Et donc, c'est ça son système de défense par rapport aux agressions. Et donc, déjà, premier point, ayez un sol vivant et vous allez avoir beaucoup moins de maladies. Deuxième point, abriter une vraie biodiversité fonctionnelle, parce que si vous avez... si vous avez une vraie diversité, ben la limace va s'autoréguler, les campagnols vont s'autoréguler, etc. Comprendre enfin en troisième point les besoins des ravageurs, les comprendre parce que pourquoi est-ce que la limace mange ma salade? Pourquoi elle s'attaque à ma limace? Il faut comprendre pourquoi. Et ça, ça va vous aider à répondre. Ben, la limace, on va y venir juste après. Et en comprenant, on va pouvoir répondre. Et du coup, remplacer et peut-être trouver une autre source de nourriture qui est plus appétante que la salade pour pouvoir ne pas avoir de problème. Et puis peut-être accepter de laisser une part raisonnable de perte, alors peut-être maximum 10%, de se dire bah, si 10% de mes pommes de terre sont mangées par des campagnols, mais qu'en contrepartie, les campagnols font un énorme réseau de galeries qui aèrent un maximum le sol, c'est pas si dramatique que ça d'avoir une betterave ou une pomme de terre ou un céleri croqué, mais tant que la proportion n'est pas trop importante. Si elle est trop importante, c'est qu'il y a un déséquilibre et ça veut dire que vous avez un système équilibré. Et donc, il va falloir trouver les moyens de refaire l'équilibre. On va y revenir juste après. Et puis enfin, ne pas s'interdire de réagir en urgence. Ce n'est pas parce que il y a des limaces qu'il ne faut rien faire, ça va pousser tout seul. S'il y a des limaces, ça ne vous poussera plus. Elles vont être là, elles vont vous embêter et il va falloir savoir réagir. Donc, on y vient juste après. Donc, la limace. La limace, en fait, sa première difficulté, c'est que généralement dans nos systèmes, il y a trop de paille. Il y a trop de paille à manger et pas assez d'éléments plus frais, plus cellulosiques. Et du coup, son système digestif est déséquilibré. Et du coup, il faudrait, quand une limace arrive dans de la paille et voit tout d'un coup quelque chose de très azoté, elle va se jeter dessus. C'est pour ça qu'elle va manger la limace. Et du coup, si vous apportez des tontes de l'herbe fraîchement coupée, la limace, son rôle écologique, c'est de manger ce qui est en cours de... ce qui vient tout juste de mourir. Elle n'est pas faite pour manger des jeunes plants, des jeunes pousses.
Si elle mange une jeune pousse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ça ne va pas, d'autant plus dans le système paillé. Et donc, si on rapporte des choses qui sont en train de mourir régulièrement, tous les 2-3 jours, au pied de ce qui nous pose problème, et ben, on voit qu'on n'a plus de problème de limace. D'ailleurs, on voit aussi que les tontes ont un effet répulsif sur les limaces de manière générale. Elles ne les mangent pas tant que ça. Elles n'aiment pas ça. De même qu'elles n'aiment pas les composts ou aussi de la cendre autour des plants, et que elle n'aime pas du tout évoluer sur du compost, des choses comme ça. Par exemple, sur les courges, on peut saupoudrer du compost sur les feuilles de courge, et à ce moment-là, les limaces ne mangent pas du tout les feuilles de courge. Mais on pourrait aussi généralement sur bâche ou sur compost, on a beaucoup, beaucoup moins de problèmes de limaces que sur paille, sur foin. Et tout ceci en période sensible. Nous, on voit des attaques de limaces généralement qu'au mois de mai. Et c'est tout, quoi. Ou des fois fin avril, des fois tout début avril. Mais avril-mai et tout le reste de l'année, à chaque fois qu'on plante quelque chose, il ne se passe jamais rien. Donc à ce moment-là, on sait qu'il faut faire un peu attention et qu'il faut être un peu vigilant. Et peut-être à ce moment-là uniquement, tout ce qu'on fait, le faire sur compost ou sur bâche. Et si on fait sur bâche, il faut quand même être vigilant. Et à ce moment-là, peut-être on peut mettre de la cendre, on peut mettre des choses comme ça à petite échelle. Nous, à grande échelle, c'est trop compliqué à mettre en œuvre. On peut utiliser le produit qui est autorisé en bio qui s'appelle l'orthophosphate de fer, Feramol, qui fonctionne bien pour réagir en mode urgence. Voilà. Mais déjà, si on fait tout le reste auparavant, en fait, nous, on utilise ce produit un peu pompier qu'une fois tous les 2 ans. Quoi, en fait. Une fois tous les 2 ans, parce qu'on n'en a pas besoin systématiquement. En ce qui concerne les campagnols, c'est un problème récurrent parce que les campagnols adorent les sols non travaillés parce que, comme toute la faune, les abeilles, 95% des abeilles vivent dans le sol, sont des espèces terricoles. Donc, si on travaille le sol, elles peuvent plus se développer. C'est la même chose pour les campagnols. Donc, les campagnols vont revenir très rapidement dans les sols non travaillés. Et donc, comment est-ce qu'on gère ça de manière sereine? Eh bien, grâce à la recréation d'un écosystème équilibré. L'écosystème équilibré. Oui. Ah non, c'est bon. L'écosystème équilibré, c'est d'avoir finalement des prédateurs. Les prédateurs, vous allez refaire revenir les couleuvres, les vipères avec des tas de cailloux. Vous allez faire revenir les belettes avec des tas de bois. Vous allez installer tout ce qui est rapace via des piquets d'une taille supérieure à 4 mètres. Vous allez recréer un équilibre avec des renards si vous n'avez pas de poules. Voilà. Vous allez aussi écarter beaucoup de risques si vous avez un chat dans votre jardin. Le chat est un très très gros prédateur de campagnols, donc vous allez réduire vraiment le risque. Si vous êtes infesté, vous pouvez mettre une poule par 1 mètre carré pendant 2 semaines. Ça va faire très très peur. Ça va faire très très peur aux campagnols. Ils ne reviendront pas avant 3 ans parce que ça va tambouriner au-dessus et ils vont avoir très très peur. Donc c'est voilà. Avec tout ça, si vous faites ça, vous êtes nous juste un chat, ça marche bien en maraîchage. Et puis on voit de toute façon qu'il y a aussi les couleuvres qui peuvent revenir, qu'il y a les renards peuvent faire un gros travail. Voilà. Mais ne serait-ce que l'une de ces espèces citées suffira amplement à réguler les problèmes de campagnols, et que finalement les campagnols vont rester présents mais vont ne pas être en surpopulation et ne vont pas manger plus que 10% de vos récoltes. Voilà, et ben on a fait un peu le tour là de tout ce qui est ravageur, tout ce qui est semis, plantation. Donc s'il y a des questions, c'est le bon moment. Et après, je vais parler aussi un peu de design de jardin avec vous.
Les altises, alors, ouais, je pourrais dire quelques mots sur les ravageurs. Qu'est-ce qu'on a comme ravageurs quand même, qu'on, de manière pas systématique, mais quand même assez récurrente dans, les, dans tout le réseau maraîchage solivant? Ce sont en effet les altises qui mangent les pousses de choux au mois de juillet, enfin surtout les pas tant au mois de juillet, surtout au printemps. Ce sont, on peut avoir facilement des problèmes de mouches du poireau et mouches de la carotte. Et donc ces choses-là, on les gère tout simplement en mettant des filets au-dessus des cultures. Donc on met un voile au-dessus des carottes, un voile au-dessus. Alors c'est des filets un peu spéciaux hein, pour pas que la mouche de la carotte passe. Il faut que les mailles soient assez fines. Pour la mouche du poireau, ça peut être un peu plus lâche. Pour l'altis, ça peut être un petit peu plus lâche. Mais on met des filets qui recouvrent les cultures dès le démarrage jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, on n'a plus ces problèmes-là. On voit des collègues qui n'utilisent jamais de filet sur carottes, jamais de filet sur poireaux et qui n'ont pas de soucis quand le système est bien en place, bien vivant, ça marche assez bien. Surtout sur la carotte rouge sang, par exemple. La carotte rouge sang est très, très peu sensible à la mouche de la carotte. Donc, c'est une carotte rouge qui n'attire pas la mouche de la carotte et du coup, ça marche très bien. Donc, et sur le poireau, vous ferez les essais sans, vous verrez, ça marche. Ça peut assez bien marcher. Vous pouvez avoir un moment beaucoup ça fait des petites larves rouges dans le fût du poireau. Nous, on a vu des saisons où on avait l'impression que tout était infesté, puis au bout de 2 mois, ça s'était rééquilibré. On ne voyait plus les traces. Alors, les larves de tipule. Tipule, c'est un espèce de cousin. Un gros insecte qui fait des larves en forme de petits vers gros comme un fil de fer orange qui mangent les salades. Ça, ce sont un problème récurrent quand on retourne le topin, pardon, le topin, excusez-moi. Le topin, bon, il y a aussi le tipule, mais ce sont des. Ces vers-là, ils se développent quand vous avez trop de matière organique d'un coup dans le sol. Et c'est ce qui se passe quand vous retournez une prairie. Quand vous retournez une prairie, et tout le monde m'a dit quand je me suis installé, ah, surtout, ne t'installe pas sur prairie parce que tu vas être infesté de taupins et de tipules et tu ne feras rien de bien parce que tout va se faire manger par les taupins, les tipules. Eh bien non, c'est faux. Ça a complètement bien marché dès la première année parce que je n'ai pas fait d'engorgement de matière organique quand j'ai détruit ma prairie par la bâche. Par contre, si je l'aurais retourné, j'aurais mis toute la matière organique du haut du sol dans le bas et là, il y aurait un sol qui se serait un peu compacté au fond du labour. Et le topin, son rôle écologique, c'est de recréer de la porosité là-dedans et donc il circule et il se développe parce qu'il doit refaire de la porosité qu'on n'arrive pas forcément à bien faire le ver de terre. Et donc, on a généralement peu de problèmes de topin. On a un collègue qui a été infesté par des topins parce qu'il a une nappe affleurante. Et donc, c'est un sol engorgé en eau et qui peuvent du coup aussi avoir à tendance hydromorphe où la matière organique se bloque, où ça sent la vase l'hiver. Et ces sols-là, comment est-ce qu'il s'est débarrassé du problème de taupin? Il a mis une poule au mètre carré, comme pour les campagnols. Et là, ça a énormément enlevé la pression des taupins. Les poules ont gratté, ont mangé tout ce qu'il y avait et ça pendant 15 jours et ça a bien fonctionné. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à toutes ces semi-plantations? Je parle beaucoup, mais l'idée c'est de vous donner le maximum de clés pour vous lancer dans votre potager chez vous. Si j'ai beaucoup d'altis, par exemple, en toute saison, est-ce que c'est parce que le sol n'est pas bon, qu'il faut faire quelque chose sur le sol? Non, les altis, et c'est la même chose d'ailleurs sur les limaces. Les altis, le problème, c'est qu'elles mangent des jeunes plants. Quand vous repiquez un plant, vous le stressez, vous êtes obligé. Un plant stressé, c'est une plante stressée, c'est tous les signes d'une plante malade. Une plante malade, c'est une plante qui est prête à mourir. Et du coup, la plupart des ravageurs sont là pour aider à accélérer, à digérer tout ce qui est en fin de vie, quoi.
Et du coup, le problème, c'est quand on repique un plant, eh bien, il a tous les signes d'une plante en fin de vie parce qu'il a un stress énorme du fait du repiquage. Donc, pour éviter, on ne peut pas trop éviter malheureusement les problèmes au tout démarrage parce qu'on fait du repiquage, c'est comme ça. Donc, le filet, c'est vraiment le bon outil, quoi. Le filet, c'est le bon outil. Et une fois que un chou fait 15-20 cm, à ce moment-là, il est naturellement résistant aux altises, quoi. L'altise peut essayer de piquer. On voit bien, ça pose aucun problème pour le chou, quoi. Ça pose aucun problème pour le chou. Une fois, c'est pareil sur la pyrite du chou, on a relativement peu de problèmes de pyrite du chou. C'est une fameuse petite chenille orange, enfin surtout verte, verte et un petit peu orange, qui peut faire des gros dégâts sur le chou en fin de culture. Un chou sur sol vivant, il a une telle vigueur qu'il produit ces fameuses protéines qui ne sont pas digestes par les insectes suceurs comme cette fameuse chenille, et donc naturellement résistant. Mais au démarrage, on a des plantes chétives, fragiles, parce qu'elles sont repiquées. Les altises, elles n'aiment pas trop l'eau, je crois. Elles n'aiment pas trop le temps sec. Elles aiment pas trop. Voilà. Si donc, elles n'aiment pas le temps sec, mais bon, peu importe, le temps sec, vous ne pouvez pas trop le contrôler. De toute façon, vous êtes obligé d'arroser votre plant au démarrage, surtout en période sèche. Donc, le filet, si vous êtes vraiment… Là, cette année, c'était l'année des altises, quoi. Je ne sais pas pourquoi il y a des années comme ça. C'est l'année… Là, cette année, on a vu énormément d'altises. Ceux qui ont mis un filet au tout démarrage, derrière, tout s'est passé comme d'habitude, quoi. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont pris des bonnes pertes juste liées au démarrage. Il y a des mains levées, hein, ceux qui ont les mains levées, Jean-Claude, Robert, allez-y. Activez vos micros. Perso, j'ai posé ma question. Pardon, voilà. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions à ce niveau-là, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est assez clair et que avec ça, déjà, vous avez toutes les bases. Après, on va approfondir un peu le côté design de jardin, conception, tout de suite, mais ça va aller assez vite. Donc, le tour de jardin. Ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment concrètement ça peut se mettre en œuvre. Et la première chose que j'aime bien montrer, ce sont des systèmes très multi-étagés. Ça, c'est Pierre Besse à Toulouse. Où vous voyez au premier plan ici un carré de pommes de terre. Là, il y a des couverts végétaux qui sont en place. Il y a des haricots qui sont prêts à monter sur des structures. Là, on en voit un autre. Je vais vous montrer une autre photo. Là, c'est toujours chez lui. Où il agence haricots, tournesol, aubergines tutorées, des courges derrière. Et, enfin, je trouve que sa façon de cultiver en agençant des plantes hautes, verticales comme les haricots, sur des structures, sur des différents types de treillis, les tournesols, sont très esthétiques et varient bien. Ça peut même faire des petits coins de jardin, des petites haies naturelles. Une haie de haricots, c'est quand même très 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 couvrant et très très occultant, et ça fait un vrai mur végétal. Je trouve que c'est très esthétique. Donc, ça, d'un point de vue esthétique, ça fonctionne bien. Là, tout est en non-travail du sol, le sol toujours couvert. Ça fonctionne assez bien. Très 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 joli système. Voilà, on voit une autre perspective avec une association arbres et légumes. Alors attention, si vous faites ça au nord de la Loire, si vous avez des gros arbres comme celui-ci, alors on voit qu'ils ont été relativement régulièrement élagués pour ne pas faire trop d'ombrage à la base et pas trop concurrencer l'espace dans l'étage inférieur. Mais le houppier ferait trop d'ombre en Normandie pour des légumes. On n'a pas assez de soleil au nord de la Loire pour pouvoir associer aussi proche
des légumes et des arbres des arbres relativement hauts. Si on veut associer des arbres dans un système au nord de la Loire, on va mettre des fruitiers qui vont faire les mêmes hauteurs que ces structures avec les haricots. On va faire des bastiges de pommiers, de poiriers très nanifiants qui vont à terme maximum faire 3 mètres, qu'on pourra récolter tout à la main, pas besoin d'échelle, qui vont produire très vite, dès 2-3 ans. Maintenant, il y a des variétés qui produisent des pommes dès la deuxième année et en abondance, mais qui sont très, très nanifiantes, de manière à ce que vous ayez de la lumière pour vos légumes, quoi, parce que ce n'est pas possible, on n'a pas assez de soleil chez nous, quoi. Alors qu'au contraire, au sud de la France, d'avoir cet ombrage est un vrai bénéfice, parce qu'au moment, pendant l'hiver, ce sont des arbres à feuilles caduques, donc ils laissent passer toute la lumière. Et pendant l'été, où il y a trop de chaleur, justement, ça tamponne, ça crée un microclimat, et c'est super chouette. Attention aux arbres fruitiers, hein, de vraiment prendre des vrais bastiges et de ne pas chercher à les rabattre. Normalement, un arbre, si vous voulez tout le temps le rabattre, ça va être une lutte permanente et ça c'est pas au bénéfice de l'arbre et du rendement. Donc prenez vraiment des très bastiges. Alors là, je montre un peu d'autres photos. Ça illustre bien la productivité des systèmes sur sol vivant. Les courges, les oignons sont des cultures où on a des meilleurs rendements que le conventionnel avec la chimie, de l'ordre de 80 tonnes par hectare. Là, c'est l'image de qu'est-ce que ça veut dire 80 tonnes par hectare. Ça veut dire 8 kg au mètre carré, parce que la courge, là, elle fait déjà 8 kg et il y en a une déjà juste à côté. Donc, vous voyez le potentiel de rendement colossal. Alors qu'en conventionnel, on est plutôt à 5 kg au mètre carré dans les meilleurs systèmes. En bio, la moyenne, c'est plutôt 3. Donc, on voit le potentiel colossal des sols vivants, surtout à travers des cultures comme la courge et l'oignon qui l'expriment très, très bien. Ça, c'est une photo chez moi de culture de choux, et de montrer aussi que les choux ont une très belle esthétique avec un dégradé de couleur de vert qui est assez sympa. Bon, vous ne ferez peut-être jamais autant de choux, mais quoique, pas aussi long, mais on peut déjà faire un bon carré de 10 par 10. Et c'est aussi pour montrer que c'est joli, il y a des légumes qui poussent, qui sont en bonne santé et qui fonctionnent bien. Là, c'est le parcelle d'artichaut qu'on a déjà vu. Sous serre, qu'est-ce que ça donne? Alors, en Normandie, c'est vrai que tous les légumes d'été, on va plutôt avoir tendance à vouloir les faire sur bâche pour gagner de la chaleur. Et en particulier, ceux qui ont le plus besoin de chaleur, ça va être l'aubergine, ça va être le poivron, ça va être le melon, la pastèque. Et après, on arrive à faire de la tomate, du haricot sans forcément bâche. Ça marche, il n'y a pas vraiment un gros problème d'association, de gros problème de rendement et de perte de rendement à cause d'une perte de chaleur à cause du paillage. Donc voilà un peu à quoi ça peut donner sans bâche, des systèmes avec. Un sol, on voit, hein, jamais travaillé, avec la couverture permanente ici de foin qui était faite. Alors, une planche avec un seul culture pose problème? Non, sur des sols vivants. Là, vous voyez, il n'y a aucun problème avec cette serre de tomates, qui n'y a que des tomates dedans. Évidemment, il va être plus intéressant de faire tourner les légumes d'année en année, pour tout un tas de raisons. Mais on est en train de regarder comment. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire tourner les légumes, c'est quand même une bonne question. Alors, d'abord, pour une diversité de systèmes racinaires, peut-être, pour surtout gérer des ravageurs. Si on a des problèmes, je ne sais pas moi, de doryphores sur pommes de terre, le fait de tourner les doryphores, ça va quand même faire tourner les pommes de terre, ça va vraiment empêcher les doryphores de se développer. Si vous avez prévenu doryphores, le plus facile à petite échelle, c'est de les ramasser à la main au bon stade. Mais sinon, on est en train de voir, de pousser les curseurs jusqu'où
une tomate toujours au même endroit peut pousser. Il n'y a pas de raison qu'elle ne pousse pas toujours au même endroit parce que c'est une vivace. Une pomme de terre, c'est une vivace. Une tomate, c'est une vivace qui n'est pas censée mourir. Dans nos latitudes, le coup de gel détruit la tomate, mais s'il n'y a pas de gel, elle pourrait pousser ad vitam aeternam. Ça, c'est des fausses, un peu des faux problèmes d'agriculture non fertile avec des sols très fatigués. Sur des sols vivants, toutes ces questions sont un peu à revoir. L'horizon des possibles est beaucoup plus grand. Mais bon, a priori, on va quand même, si on voit qu'il y a des soucis de ravageurs, faire tourner, et ça va être une des premières options, c'est de changer de parcelle. Voilà par exemple ici l'esthétique d'une serre d'hiver qui a été complètement vidée en novembre, entre octobre et décembre, remplacée. Et voilà l'état de la serre au mois d'avril, mars, une photo du mois de mars chez moi, avec du mesclun, avec de la mâche, avec de l'épinard, avec des salades, avec du céleri, avec de l'oignon, de l'ail. Et qu'on a fait succéder aux cultures de tomates précédentes. Dans ce cas-là, de toute façon, on va dégager les paillages, le foin, on va dégager le foin, on va le mettre sur le côté, on va le mettre dans les passe-pieds, il va constituer le paillage sur le passe-pied, et puis ensuite on plante et on sème en direct, comme on a vu auparavant. Ici sur compost, ici directement dans une bâche, on a préféré faire sur bâche. Voilà. Est-ce que les sols ont besoin d'être couverts en hiver par une bâche? Ça peut être parfois plus simple. Parfois, on peut les repailler l'hiver, les pailler à l'automne pour qu'ils restent tout couverts et qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent à travers. On peut aussi laisser les sols se renherber l'hiver, faire un couvert végétal spontané qui ne va rien coûter. Et puis, si on veut tout de suite remettre en culture une carotte, ça ne va pas être possible au printemps, mais si on veut mettre tout de suite en culture une culture sur bâche, ça va être possible. Et s'il n'y a pas eu trop de vivaces qui se sont mis, un mois de bâchage pourrait détruire les annuelles qui se sont ressemées spontanément. Mais attention quand même aux vivaces. Les vivaces ont quand même avoir tendance à redévelopper après. Si on laisse l'enherbement spontanément revenir, ça va être peut-être l'une des premières à revenir. Pas toujours, mais attention quand même. Ici, c'est une photo assez intéressante. C'était une cour complètement gravillonnée. Ça se trouve que c'était chez ma belle-mère. Ma belle-mère m'a dit, mais j'ai envie de faire un potager, alors qu'elle avait une cour toute gravillonnée. Et ben, on s'est dit, on va cultiver finalement hors sol. Alors, on a quand même retiré les graviers. Il y avait un géotextile, on a enlevé le géotextile. On l'a rabattu sur les parois en bois. On a créé des coffrages en bois. Et puis, on a rempli les bacs de broyat. Hein. Là, on voit bien le broyat dans les tomates, dans les oignons. Et puis on arrose et puis c'est parti et ça nous fait un jardin mis en place en quelques jours seulement sur un terrain où il n'y avait pas de vie puisqu'il n'y avait pas du tout de plantes. Donc on voit qu'on peut adapter ça très bien à un balcon, à une jardinière sans aucun souci et ça peut être très esthétique, ça peut recouvrir les trottoirs de culture de bacs de légumes, ça marche très très bien avec du broyat. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je montre des photos de quelqu'un à qui il faut rendre hommage, qui est Dominique Soltner, dont je n'ai pas encore parlé jusque-là, qui a écrit le guide du nouveau jardinage, Jardinage sans travail du sol. Son guide présente des photos très, je pense, aussi inspirantes avec différents paillages. Donc, il dit bien stop au labour, stop à la bêche, stop au motoculteur. Mettons du foin sur nos cultures, plantons dans le foin, plantons dans le compost et ça va très bien fonctionner.
Alors, vous voyez, attention, et c'est là où on va parler un petit peu de design et de la place des bandes enherbées, des allées. Attention aux allées. Pour que les allées ne colonisent pas les planches, il va falloir soit, un, les tondre très régulièrement. Vous voyez là, la pelouse, elle est tellement surtondue qu'elle est quasiment jaune, tellement elle a été surcoupée, mais c'est peut-être un indispensable pour que, enfin, pas qu'elle soit forcément ultra jaune, mais qu'elle soit régulièrement tondue pour éviter l'allée de s'étendre via le chiennant qu'il y a généralement dans la prairie. Dans les allées, de coloniser les planches et d'éviter aussi que vous dépaillez, il y a le chardon qui est pris toute la place sous le sous votre bâche. L'autre solution pour ne pas être tout le temps en train de passer la tondeuse tous les 15 jours, ça va être de, par exemple, revenir au fameux jardin de curé, de mettre une planche semi-enterrée va empêcher physiquement les racines d'aller coloniser vos planches de légumes. Donc, mettez une planche, il n'y a pas forcément besoin de buter. Alors, si vous mettez en butte, après, l'avantage du système précédent, c'est que c'est à hauteur. Une mamie pourrait très, très bien s'occuper de ce type de jardin parce qu'on pourrait remettre une planche de plus et avoir quelque chose qui soit à hauteur sans se baisser. Donc on gagne en confort pour le dos, mais même tout à plat, on va enfoncer une planche qu'il faudra peut-être changer tous les 10-15 ans parce qu'elle va pourrir, mais qui va clairement empêcher l'herbe de coloniser et d'avoir quelque chose en allée enherbée. Après, je montrerai peut-être aussi, je vous renvoie vers j'ai découvert ça assez récemment, Richard Perkins, qui sur YouTube propose un autre style toutes les allées sur broyat. Alors il est en Suède, donc il a du bois à gogo. Il a du bois à gogo et vous voyez toutes ces allées, enfin pas toutes, mais j'avais vu des là vous voyez toutes les allées elles sont en broyat, quoi. Il a mis du broyat partout, donc c'est aussi très, très esthétique. C'est assez joli. Que je vous montre un peu. Voilà, là, il est dans ses planches. Vous voyez son jardin, ben, partout, il a mis du broyat et ça fait quelque chose de très esthétique aussi, quoi. Alors, pour... qui est une autre alternative à l'allée gazonnée, mais moi, je n'ai aucun problème avec l'allée gazonnée. Si soit on la coupe régulièrement, soit on met des planches pour empêcher. On pourrait aussi tous les ans, si on avait envie, mais c'est un peu long, faire un coup de bêche pour couper toutes les racines, mais ce sera ou un coup de sousseleuse, mais c'est pas si facile que ça. Donc là, vous voyez une autre alternative. Toutes les planches, tous les passe-pieds sont paillés. Et c'est très esthétique, c'est très joli. En même temps, ça renourrit le sol directement, comme le fait la prairie aussi, nourrit le sol. Mais forcément, si c'est tondu ultra régulièrement, ça ne nourrit pas le sol parce que ça ne produit rien, ça devient tout jaune et ça ne produit plus de biomasse. Donc, bon, Richard Perkins, il parle anglais. C'est un Suédois qui parle anglais. Donc, si vous voulez regarder ses vidéos, il faudra peut-être mettre les sous-titres avec la traduction en français. Là, vous pouvez, je vous montre un peu là sur YouTube comment vous pouvez... traduire automatiquement, sélectionner le français, hop, et ça marche assez bien, c'est assez compréhensible. Si vous voulez lire des petites vidéos là, donc Weed Free Market Gardening, notre approche sans travail du sol pour obtenir un jardin sans mauvaise herbe. Weed, c'est mauvaise herbe, voilà. Donc un petit, voilà, j'aime bien nourrir comme ça un peu en diversité d'images pour que vous puissiez créer votre jardin qui correspond au mieux à ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce que vous appréciez. Il y a aussi d'autres personnes qui font des vidéos assez sympas. Oui, alors j'en viens juste après, oui. Ouais. Depuis le Canada, qui s'appelle Back to Reality. Et c'est des Canadiens qui, pareil, font des vidéos assez sympas sur
Tu nous mets le lien là dans le. Alors, je ne saurais pas dire le lien, mais je vais vous l'écrire. Ça s'appelle que... Back oui, voilà. to Reality. Alors, je vais en montrer d'autres vidéos. Je continue sur Soltner, parce que là, je parlais des allées, ça m'a fait dévier sur Perkins avec ses allées bois. Je montre des images où, en fait, il n'utilise pas que du compost, il utilise des feuilles, il utilise différents types de paillage, et puis on voit esthétiquement ce que ça donne. Je vous laisserai le PowerPoint, le diaporama, les photos, vous pourrez regarder ça plus tranquillement. Il est aussi, c'est le seul moment où j'ai parlé de couverts végétaux, il propose une technique très simple pour mettre en place des couverts végétaux qui réussissent très bien, et du coup il vous dit voilà, en 3 mois je vous fais un couvert végétal qui fait 1,50 m de haut, donc ça c'est du couvert végétal, ça me plaît, ça me parle. Les couverts végétaux pour moi sont difficiles à réussir parce qu'il faut les arroser, il faut passer du temps, il faut trouver les graines. Alors lui il dit bah, d'année en année vous allez pouvoir produire vous-même vos graines, c'est génial. Il vous donne la recette. Moi je suis tout aussi à l'aise avec l'enherbement spontané, de dire je laisse mes cultures se renherber en prairie. Ça ne fait pas des biomasses fortes aériennes, mais ça fait des biomasses racinaires extrêmement puissantes, et je les redétruis par la bâche, et je fais comme ça. Le couvert végétal peut aussi se faire, mais il faut savoir bien le maîtriser, et je vois pas mal de difficultés par rapport à ça. Si on a de l'eau, si on a des graines et qu'on sème ça à la volée, ça marche quand même assez bien, les couverts végétaux. Voilà. Voilà pour notre ami Soltner. Et je vous renvoie là vers d'autres chaînes YouTube de potagers amateurs qui font référence aux travaux de Maréchal Chalion et de Vers de Terre Production, en particulier Damien Decarce et le potagiste. Damien Decarce, il est ici, et le potagiste, il est en bas. Et puis, il y a aussi le fameux potager du paresseux qui a bâti un jardin que à partir du... Alors, lui, pour lui, il n'y a que le foin qui marche. Malheureusement, c'est faux. Tout type de matière organique marche. Il ne dit pas qu'il n'y a que le foin qui marche. Il dit que le foin est le meilleur de toutes les matières organiques. Les broyats, ça fonctionne très bien, des paillages de luzerne, ça marche très bien, des mélanges gazon, paille, ça marche tout aussi bien que le foin. Mais en tout cas, c'est inspirant et il a monté ça tout seul dans son coin, donc c'est très bien. C'est très bien, ça fait plaisir à voir que des gens arrivent au même résultat que nous dans leur coin. Et on a des maraîchers aussi historiques. Qui ont 30 ans, 40 ans d'expérience et qui ont fait finalement eux-mêmes du maraîchage sans travail du sol, avec une couverture permanente des sols. Ils sont arrivés par leur propre raisonnement, leur propre logique, et ça fait plaisir à voir. Je vous donne aussi en bonus, le lien vers une banque photo qui est dans le chat. Alors ici voilà. Alors sur cette banque photo, en fait c'est la banque d'images de Maréchal Chalion. Je vous la montre à quoi ça ressemble ici. Donc des photos de tout, de matière organique, d'itinéraire technique. Moi je vais vous montrer des plans larges des jardins. Il y en a déjà pas mal qu'on a déjà vu. Vous voyez un peu une diversité encore de points de vue. Vous pourrez vous balader un peu là-dedans. C'est quand même assez intéressant pour se faire encore une fois l'œil et voir à quoi ça peut ressembler. Le non-travail du sol, la couverture permanente. Et je pense que c'est très important quand on veut réussir quelque chose, de voir tout de suite le résultat final, de voir à quoi doit ressembler ce que l'on va faire. Et c'est pour ça que je passe autant de temps à vous montrer une diversité de photos et de vidéos possibles à aller chercher. Voilà, on a fait un peu le tour de tous les jardins. Il y en a encore d'autres. Hein. On pourrait en citer de nombreux autres types de jardins, mais de ceux qui sont... qui sont parlants, vous en trouverez forcément d'autres. Je pense par exemple à Jean-Martin Fortier, etc. etc. Voilà. Je vous laisse découvrir ça plus en profondeur. Vous avez toutes les références.
Et puis, j'ai fini ma présentation. Il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu en passant tout à l'heure, qui est celle de Agathe par rapport au bac. Est-ce qu'il y a des vers dans les bacs? Ben oui, spontanément, les vers reviennent. Alors, si vous voulez forcer le truc, remettez une poignée de vers de terre dans le bec. Mais spontanément, ça revient assez bien, quoi. Pour remettre une poignée... Allez dans un tas de fumier, mettez une poignée de verres de fumier dans votre bac, ça va que aider. C'est pas exactement les mêmes verres que les différents types de verres, les anécycles, les épigées, les endogées, mais ils vont plutôt tendance à revenir spontanément d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez les aider en mettant quelques-uns. Voilà.